Jérôme Cloutier, merci beaucoup de nous accueillir. Ça fait plaisir. Donc, nous sommes dans un studio de Mel Studio. Et donc, nous sommes là pour évoquer avec toi ton parcours, ton métier, ton travail. Donc, on va peut-être commencer par une question en fait, sur ta formation. Quel est ton parcours et comment est-ce que tu es venu à ce métier Moi, j'ai étudié à Jonquière. Il y a un programme qui est post-secondaire, une technique post-secondaire de 3 ans. Qui est principalement axé, enfin, il y a plusieurs champs d'études. Moi, j'ai fait le mien en post-production spécifiquement. Puis quand j'ai gradué de Jonquière, j'ai travaillé surtout comme un compositeur, en fait, sur un flame, le système de compositing. Puis en fait, c'est que rapidement, j'ai trouvé que l'apport comme coloriste était plus grand qu'on pouvait avoir au niveau créatif. Au compositing, c'est beaucoup de. Enfin, dans le contexte dans lequel moi je travaillais, c'était beaucoup du clean-up. Il y avait peu des gros effets prestigieux comme on peut s'imaginer. Puis je trouvais que, comme étalonneur, sur n'importe quel projet, qu'il y ait un budget ou pas, que ce soit énorme ou que ce soit tout petit, je trouvais qu'il y avait un gros apport créatif. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'intérêt pour ça. Fait que j'ai commencé dans le fond comme assistant, puis ensuite comme junior dans la compagnie pour laquelle je travaillais. Je m'entendais super bien avec le coloriste aussi, fait que ça a aidé. Fait que dans le fond, j'ai délaissé progressivement, peut-être sur 3 ans, le compositing pour reprendre finalement de moins en moins le compositing, de plus en plus l'étalonnage. Puis au bout de cette espèce de formation-là de 3 ans, en fait, j'ai fait donc 3 ans à Jonquière. Puis en milieu de travail, ben, c'est comme si ma vraie apprentissage du métier de coloriste s'était fait davantage en milieu de travail, sur peut-être un 3 ans. Puis là, ensuite, après 3 ans, j'ai vraiment complètement laissé tomber le compositing. Puis en fait, j'ai changé de compagnie. Puis là, j'ai vraiment commencé comme coloriste à temps plein. Alors, ça veut dire qu'il existe donc des formations donc, au métier de post-production au Québec aujourd'hui? Oui. Et plus particulièrement, il existe aussi des formations pour le métier d'étalonneur? Dans la formation que moi j'ai suivie, qui couvrait tous les aspects de la post-production, il y a un cours qui se donne sur l'étalonnage. Je pense que c'est, disons qu'il y a six sessions dans la formation de 15 semaines, puis je pense que dans les 6 sessions, il y a un cours de 4 heures de 15 semaines qui retrace un peu l'historique de l'étalonnage. Puis ce qu'on peut en faire aujourd'hui, parce que ça s'est beaucoup démocratisé avec les équipements dans les 5, même dans les 2, 3, 4 dernières années. Fait que maintenant, les jeunes qui sont là-bas, qui suivent cette formation-là, ils ont une formation d'étalonnage, mais qui est en fait à l'intérieur d'une formation de post-production plus large. D'accord. Et là, du coup, on est quand tu rentres dans cette école, c'était en quelle année? C'est en 2006. D'accord. Non, c'est faux, de 2003 à 2006. D'accord. C'est à Jonquière, le programme s'appelle le programme d'ATM, ou d'art et technologie des médias. Puis en post-production, il y a énormément de monde au Québec qui ont suivi cette formation-là. Énormément. Je pense que dans la compagnie ici, pratiquement toutes les chargées de projet, presque tous les monteurs online, puis je pense presque tous les assistants aussi ont suivi cette formation-là. Fait que c'est comme un... Oui. Voilà. D'accord. Beaucoup de gens suivent ça. Il y en a quelques autres aussi là, pour la production et la post-production qui sont un peu moins, pas moins reconnus parce que la formation, j'imagine, elle doit être aussi bonne, mais ils sont juste peut-être moins répandus. Et quand tu parles de cette session, de ce cours en fait, où on abordait, on s'initiait en fait à l'étalonnage, du coup, vous étiez formé en 2003, vous étiez formé sur quoi? Moi, quand j'étais là-bas, je pense qu'il y avait l'application, c'était un luster. On était beaucoup formés, il y avait un gros accent qui a été mis sur la formation, sur le montage online, le compositing, sur les smokes, sur les flames. Puis dans le fond, qui sont des produits d'Autodesk. Puis je pense que l'Autodesk, le luster, venait un peu compléter la suite. Fait que donc, ils étaient à l'époque formés sur un luster, mais je sais qu'au fil des ans, je ne sais pas à quel moment précisément, ils ont migré vers le Resolve, qui est vraiment en train de s'implanter à cause du fait que c'est pratiquement gratuit, comme étant le logiciel le plus accessible, qui rend vraiment, en tout cas, l'étalonnage accessible. Fait que maintenant, je pense qu'ils sont formés là-dessus. Autrement dit, le Resolve reprend un peu le même parcours que le Final Cut. Finalement, le Resolve fait le coup aux autres applications que Final Cut avait fait à Avid.
il y a peut-être 10 ans où c'était vraiment moins cher, considérablement moins cher. Puis finalement, c'est devenu, ça s'est détendu dans les ordinateurs d'à peu près toutes les jeunes. Puis c'est devenu une norme. Avant, le fait d'avoir choisi en fait cette voie-là, est-ce que toi déjà tu pratiquais la photo par ailleurs? Quel était ton rapport en fait? C'était quoi? C'était l'image? C'était le travail dans le cinéma? C'était le dessin? Au moment de ma formation? Ouais. Moi j'ai en fait c'est beaucoup par chance en fait ça s'est produit dans mon cas. J'allais surtout là parce qu'il y a une formation de post-production mais aussi une formation de production. Puis j'étais plus attiré par le volet production. Candidement, j'avais envie d'être caméraman sans trop sans savoir ce que ça pouvait impliquer. Finalement, en fait, c'est un concours de circonstances, c'est que quand je suis arrivé là-bas, le programme avait été complètement revampé, puis il y avait plein de nouveaux équipements, puis tout. Puis toute la volet production n'avait pas encore reçu les nouveaux équipements, mais la volet post-prod avait tout reçu le nouveau stock. Fait que je m'étais dit avec un ami, hey, on va aller en post-prod comme ça, on va pouvoir profiter du stock neuf, tu sais, au lieu de travailler avec les vieilles affaires qui dataient d'il y a 30 ans. Puis finalement, il s'est avéré que j'étais quand même assez bon compositeur. Fait que je me suis dit, je vais poursuivre dans cette voie-là parce que ça m'intéressait, puis j'aimais ça, puis j'étais bon là-dedans aussi, tu sais. Fait que sur le coup, je me suis vraiment plus attaqué à tout ce qui est compositing. Fait que je sais pas si j'avais une attirance particulière là-dedans. Mais en tout cas, les profs voyaient en moi un certain talent, puis moi ça me motivait à continuer là-dedans. Fait que tranquillement, pas vite, c'est construit une culture de l'image à partir de cet intérêt-là, je pense. Et alors, donc, du coup, quand tu es sorti de ton école, donc tu es rentré comme compositeur dans une société, alors quelle société? C'est une compagnie qui était à Détroit, en fait, qui s'appelait Ringside, en fait, qui à l'époque s'appelait GTN, qui a changé de nom, qui s'appelait Ringside Creative, en fait. Fait que moi j'ai fait mon stage là-bas, puis j'ai travaillé là-bas ensuite pendant 3 ans avant de revenir à Montréal, ici en fait, dans le bureau ici, en 2009. D'accord, donc ça c'était entre 2006 et 2009? C'est ça, fait qu'en fait j'ai été à l'école de 2003 à 2006, j'ai été à Détroit de 2006 à 2009, puis de 2009 à aujourd'hui je suis à Montréal. D'accord. Et alors pendant cette période-là de 2006 à 2009, le fait d'avoir pu en fait finalement changer de métier pour passer au métier de coloriste, c'était parce que la société à Détroit offrait en fait tous ses services. Oui, c'est une boîte qui faisait de la post-prod pour la publicité. Mm-hmm. Puis en fait, c'était vraiment, ça va t'intéresser parce que c'est vraiment ce qui a fait que moi j'ai pu avoir accès finalement à ça, c'est que c'était vraiment le passage entre l'argentique au numérique. En fait, c'est qu'on changeait de plateforme d'étalonnage. C'était à l'époque, maintenant c'est complètement révolu, où chaque coloriste avait un assistant coloriste qui s'occupait en fait de tout patcher les machines, de tout connecter finalement les VTR de l'un à l'autre, la version HD, la version SD, la version UDV, etc. Calculer les délais et tout et tout. Puis ensuite, changer les bobines de pellicule sur le télé-ciné à chaque fois. Fait que le coloriste pouvait travailler, puis dès que la bobine, on changeait de bobine, ben l'assistant coloriste allait changer de bobine. Puis voilà. Sauf que, à un certain moment donné, peut-être un an et demi après que moi je suis arrivé à Détroit, on a changé l'application, puis on est passé de l'étalonnage linéaire à l'étalonnage non linéaire. C'est-à-dire que plutôt que de travailler de manière linéaire où on accroche le film sur le télé-ciné, on enregistre ça sur un tape, puis on met les shots l'une à la suite de l'autre. On passait au non-linéaire, c'est-à-dire on numérisait le matériel dont on avait besoin, puis on y accédait avec une application sur un timeline de façon non-linéaire. Bref, un peu la même chose que 10 ou 15 ans auparavant, même enfin beaucoup plus que ça, on est passé du montage linéaire sur sur une Steinbeck là, avec ou en fait même avec des tapes, là, on enregistrait sur une cassette avec une image par image, tu sais, ou plan par plan. Ben, en fait, la vid a permis la numérisation de tout le matériel pour faire du montage dans un timeline. Exactement la même chose s'est produite avec l'étalonnage. On numérisait le matériel. Donc moi, ça a ouvert une opportunité, étant donné qu'on passait dans une partie plus numérique qui, moi, me concernait plus avec le travail que je faisais comme compositeur. Puis, il y avait une partie du travail que je faisais comme compositeur qui s'appliquait dans mon travail d'assistant coloriste
où il y avait beaucoup de rotoscopie et de découpage. On avait la possibilité de tout découper les éléments de l'image pour pouvoir les travailler individuellement. Fait que moi, en fait, la compagnie offrait ce service-là. Mon coloriste avait déjà un assistant avec qui il s'entendait plus ou moins bien. Puis comme on passait de l'analogique au numérique, il y a eu une opportunité d'assistant coloriste. Moi, j'avais approché les patrons en disant « Je peux continuer de faire du flame, faire du compositing, mais je pourrais aussi reprendre la tâche d'assistant coloriste. » Puis on trouvait que c'était une bonne idée. Puis progressivement, dans le fond, j'ai appris en étant assistant, en ayant l'opportunité d'observer un coloriste travailler, en l'assistant dans son travail, ben là, j'ai pu apprendre le métier. Est-ce que ce passage a du non-linéaire du linéaire au non-linéaire, est-ce que c'est ce qu'on appelle en fait le passage de l'étalonnage vidéo à l'étalonnage numérique? Est-ce que ça correspond en fait à... Oui. C'est ça? Je pense qu'on pourrait dire ça, oui. Donc en fait, du coup, toi, tu n'as jamais en fait pratiqué, par exemple, l'étalonnage photochimique? Non, photochimique, non. Parce que c'est vraiment deux métiers différents aussi. Je pense que la plupart des étalonneurs... il y a beaucoup d'étalonneurs qui sont passés l'étalonnage vidéo sur le DaVinci, le 2K avec un télé-ciné, sur un Spirit. Ils sont passés de l'étalonnage vidéo à l'étalonnage numérique sur les plateformes qu'on connaît aujourd'hui, le Luster, le Resolve, le Baseline, le Nikoda que moi j'utilise. Puis les coloristes qui, eux, faisaient de l'étalonnage du photochimique, des étalonneurs film, il y en a qui ont fait aussi le passage d'étalonneurs film photochimique à étalonnage numérique, mais à ma connaissance, je pense qu'ils sont plus rares à avoir fait ce passage-là. Mais je peux me tromper là-dessus. Tu sauras peut-être mieux que moi. Ça existe en tout cas. Oui, ça se peut. On en a eu, j'ai un collègue ici qui avait fait ça, qui avait fait ce passage-là, mais la plupart des coloristes chez nous, en tout cas chez Mel, qui sont actifs, c'est tous des gens qui viennent d'étalonnage vidéo. Puis moi, je suis peut-être le seul qui est rentré vraiment, qui en fait, moi, j'ai même jamais fait d'étalonnage vidéo. Toute l'expérience que j'ai acquise comme coloriste, c'est faite sur l'étalonnage numérique. J'ai été assistant coloriste en étalonnage vidéo, mais j'ai jamais vraiment eu à étalonner sur un Spirit ou directement à partir du télé-ciné. Alors, qui était le coloriste, donc? Ça s'appelait Adolfo Martinelli. Ah oui. C'est un gars qui était un peu plus vieux que moi. Que lui, son parcours, en fait, c'est qu'il avait vraiment franchi toutes les étapes. Là. Il est rentré comme au service à sa clientèle d'une compagnie qui s'appelle Riot en Californie, qui est aujourd'hui Method, qui fait partie maintenant qui est devenu aussi un peu Company 3 puis Method, là, c'est des compagnies qui sont sœurs. Mais lui, il a vraiment comme franchi tous les échelons. Là. Il a monté tous les échelons, il a commencé à servir sa clientèle, à servir des cafés, à commander des lunchs. Il est allé à la salle des machines à faire toutes les copies, etc. Il est devenu assistant coloriste de jour, il est devenu coloriste de nuit, ensuite coloriste de soir, ensuite coloriste de jour. T'sais, il a fait toutes les étapes, là, vraiment. Puis il est parti de LA pour aller à Détroit pour prendre le poste de coloriste qui était ouvert là-bas. Fait que moi, j'ai appris avec lui, dans le fond. Alors, c'est quoi la différence entre coloriste de jour, coloriste de nuit? Ah, ben c'est que on voit moins ça dans les gros marchés comme LA. Peut-être que c'est différent aujourd'hui, mais à l'époque, ça coûtait vraiment, vraiment cher, une salle d'étalonnage. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup baissé, mais à l'époque, ça pouvait coûter 2,5 millions, je pense, construire une salle d'étalonnage. Le Spirit coûtait très cher, la plateforme d'étalonnage coûtait très cher, le DaVinci, les moniteurs coûtaient très cher. Puis, il y avait quand même beaucoup d'équipements qui tournaient autour de ça, parce que tu avais besoin de beaucoup, beaucoup de hardware, puis de machines, de VTR, HD, SD, de différentes saveurs aussi. Là. Fait que ça coûtait très, 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 très cher, puis il était vraiment maximisé. C'est-à-dire que tu avais un chiffre de 9 à 4, un chiffre de 4 à minuit, un chiffre de minuit à 8. Puis, fait que c'était vraiment comme un après l'autre, tu sais. Puis, bien évidemment, tout le monde voulait la job du coloriste de jour, tu sais. Mais il y avait aussi, donc disons qu'il y avait coloriste de jour, je pense, là-bas, qui lui faisait principalement les plus grosses publicités. Il y avait le soir aussi, où là, il y avait beaucoup plus les plus jeunes vidéoclips. Peut-être les publicités moins high profile, tu sais. Puis le soir, il y avait tout ce qui était les dailies qu'on avait à l'époque, ou je sais pas comment, ça serait quoi la nomenclature française, enfin la nomenclature juste. Mais il y avait toutes les dailies qui se faisaient là, qui avaient ce qu'on appelle le graveyard shift. Vraiment le shift de nuit, là, où finalement ils transféraient tout le film
pour mettre ça sur tape pour envoyer au offline. D'accord. Parce qu'il y avait déjà en fait cette idée pour le montage par exemple des publicités, le fait de faire une sorte de pré-étalonnage pendant le tournage, ça existait déjà en fait. Ben en fait c'est qu'à partir du moment où ça fait assez longtemps que ça existe, où on doit transférer le matériel qui est en pellicule, en influx électrique quelconque, sur un ruban magnétique. Je ne sais pas exactement, mais je te dirais que j'imagine que ça doit être en quelque part dans les années 80, là, où on s'est vraiment mis à faire ça pour pouvoir travailler à partir des rubans. Peut-être même fin 70. Puis ça fait un peu d'histoire, là. Puis en fait, c'est qu'ils se sont. C'est là que le métier de coloriste finalement est arrivé. C'est qu'on a converti le 35 pour le mettre sur des bandes magnétiques pour faire du montage ou pour le travailler. Puis on étalonnait toute la pellicule au complet. Ce processus-là, ça s'est appelé des dailies au fil du temps. On montait à partir des dailies. Puis ensuite, on revenait en étalonnage. Pour étalonner plus soigneusement les images qui avaient été choisies, qu'on appelait ce qu'on appelle en anglais le transfert des select, dans le fond. Là. Ça se faisait beaucoup pour la pub, je pense que ça se faisait aussi pour la série télé. Ça se faisait pas pour le long métrage jusqu'à il y a pas très longtemps, début 2000 en fait, ou pour le long métrage, c'était vraiment du photochimique jusque-là, mais. Pour répondre à ta question, ça fait quand même assez longtemps que ça existe, ce procédé-là d'avoir un étalonneur qui transcode de la pellicule au ruban magnétique. Ouais, c'était plutôt la question en fait, de l'étalonnage avant le montage. C'est-à-dire que ce que j'ai cru comprendre en fait, en rencontrant des étalonneurs français, c'est qu'ils m'ont dit pendant assez longtemps, bon, au moment où on est passé en fait, à la filière toute numérique, ça fait pas très longtemps, hein, mais il dit pendant quelques mois, quelques années, en fait, il était très difficile d'avoir une sorte de pré-étalonnage. Ce qui fait. Oui, je comprends. Des images en pellicule, effectivement, ouais. Là, c'était obligatoire parce qu'on ne pouvait pas monter à partir de la pellicule, mais effectivement, à partir des images numériques, en fait, c'est qu'avoir un pré-étalonnage pour l'offline, ça devient un luxe. Alors qu'avant, c'était une obligation parce que tu n'avais pas le choix de transformer le médium qui était en 35 mm, alors qu'aujourd'hui, ça devient vraiment un luxe là, de pré-étalonner des rushs de tournage pour un offline, des rushs en numérique. C'est plus nécessaire parce qu'on a déjà les images, puis les lookup tables, bien souvent, peuvent faire une grosse partie du travail. Je dirais que même au Québec, la très grosse majorité de tout ce qui se tourne, n'a pas d'étalonnage avant l'étalonnage final. Donc, il n'y a pas de pré-étalonnage avant le offline pour la très grosse majorité de ce qui se tourne. D'accord. Simplement parce que les budgets, ils ne sont pas. Parce qu'une des questions, enfin, un des enjeux dont on va parler pour cette histoire de pré-étalonnage, ce luxe-là, c'était de dire, finalement, du coup, le réalisateur se retrouve en montage pendant 2 mois, 3 mois, en fait, avec des images RAW, en fait, parfois très grises. Il s'habitue à ce type d'image. Et ensuite, c'est compliqué pour lui en fait, de voir son image complètement être transformée au moment de l'étalonnage. Ben, c'est un problème qu'on a eu en fait, au tout début du numérique parce que c'était vraiment une espèce de peut-être un manque d'éducation d'une certaine façon. C'est que les images sont tournées en RAW, mais on peut facilement appliquer un pré-étalonnage qui s'appelle une lookup table sur ces images-là qui, maintenant, par exemple, dans le cas d'une Arri, d'une Alexa, elle tourne, mettons, des images en RAW ou en ProRes, mais elle tourne même des images qui sont en ce qu'on appelle en format logarithmique, en log-C, dans ce cas précis. Puis le fabricant Arri fournit une lookup table qui est une espèce de fichier d'étalonnage uniforme là, qu'on applique sur tout le matériel qui convertit du log-C au REC 709, qui est un autre espace couleur qui correspond à l'espace couleur dans lequel les plateformes de montage sont. Ce qui fait que quand on fait cette conversion-là, ça donne une image qui est standardisée, qui n'est pas comme grise, qui n'est pas sur le RAW, qui n'est pas du logarithmique. Parce que c'est incorrect de visionner une image en logarithmique dans un environnement REC 709. Ça donne une image qui est très grise, qui est très flat, puis qui est comme complètement pas représentative de la réalité. Fait qu'il y a eu une période au début
du numérique où on savait comme pas trop comment gérer ces images-là. Ou enfin, ben, je dis « on », je vais généraliser, mais disons qu'il y avait ce problème-là. Mais rapidement, on a comme compris qu'il fallait convertir ces images-là. Mais encore une fois, en bloc, là, de manière uniforme, juste sans qu'il y ait l'intervention d'un coloriste nécessairement, pour qu'il puisse être regardable, t'sais, pour qu'il puisse être utilisable, puis agréable à regarder, puis représentative un peu de ce qui a été tourné pour l'étape du montage. Mais c'est vraiment là, j'insiste sur le fait qu'il y aurait deux approches, là, c'est qu'on peut mettre une lookup table uniformément sur tout, puis je pense que c'est vraiment la méthode qui est utilisée à peu près partout. Puis on peut, en plus de mettre une lookup table, avoir un coloriste qui fait un espèce de passage rapide, un peu comme on faisait pour les dailies en 35 mm. Mais le fait qu'il y ait un coloriste qui s'attarde à des rushs avant le montage, à étalonner finalement des rushs numériques, pour moi, ça constitue le luxe dont je parlais précédemment. Mais le fait d'appliquer une lookup table uniformément sur tout le matériel, ça, c'est comme, c'est pas un luxe, là, c'est la bonne manière. Là. Est-ce que du coup, toi, tu as été amené pour certains projets d'imaginer justement un look avant le film, quelque chose en fait, même un truc un peu basique, mais qui permettait de donner un look à l'intégralité du film, et de donner ça en fait avant tournage pour... Oui, ça se fait beaucoup. Moi, j'ai eu à le faire sur quelques projets. Dans le cas du 35 mm, là, c'est sûr qu'il y a une direction qui doit être établie pour les rushs. Mais dans le cas du numérique, on peut utiliser les lookup tables dont je parlais précédemment, qui sont fournis par le fabricant, mais on peut aussi les ajuster, les transformer. On peut en fabriquer des custom, tu sais, par projet. C'est un service que nous, on offre. C'est quelque chose que nous, on fait. Qu'on a fait régulièrement. Il y a des directeurs photos qui veulent absolument qu'on règle, qu'on fasse des LUT, ce qu'on appelle des LUT de tournage, là, des LUT de tournage. Moi, j'ai dans les projets sur lesquels j'ai participé, en publicité, on ne le fait jamais, ou presque jamais. Moi, en tout cas, je n'arrive pas à trouver d'exemple où on a eu à faire ça. En long métrage, en série télé, puis en long métrage, je pense que ça se fait davantage. Moi, je n'ai eu à le faire que pour un seul projet. Puis je considère pas que ça c'est vraiment comme... Enfin, c'est bien personnel, mais moi, je trouve pas que c'est vraiment indispensable pour le tournage. Mais je pense que c'est plus une préférence de directeur photo ou de réalisateur que de coloriste. C'était sur quel projet? C'est sur le film Noir avec Yves Christian Fournier, puis l'organisateur, puis Jessica Lee Gagné à la direction photo. On avait fait des lookup tables, c'était en Alexa, puis on avait fait des lookup tables pour ajuster un peu le look. Je me souviens plus très bien, il aurait fallu que je reparle avec Jessica pour vraiment me souvenir, mais je pense que sur le tournage, dans le fond, ça avait pas nécessairement posé de problème. Je ne sais même pas si ça avait été appliqué sur les rushs. Pour le tournage, c'était vraiment juste à la caméra pour donner une indication de la direction. Souvent, le problème, c'est que le lookup table de base qui est fourni par Harry est très contrasté, très saturé. Puis des fois, on cherche à avoir quelque chose qui est peut-être un peu plus sombre ou un peu plus, pas plus sombre, mais qui est moins contrasté, qui va donner une image qui est un peu moins bonbon. Tu sais. Sur un autre film aussi, sur Félix et Meira, avec Maxime Giroux à réalisation, Sarah Michara en direction photo, on avait utilisé une lookup table qui était fournie par Harry, mais qui était la conversion finalement de Log C avec 709, mais avec une transformation que Harry a appelée le low contrast, qui est la même lookup table standard, mais où on réduit un peu le contraste, qui donne une image qui est un peu plus naturelle, qui est un peu moins bonbon, qui est un peu moins, certains diraient, un peu moins électronique. Parce que justement sur Félix et Meira, en fait, tu as travaillé sur la désaturation des couleurs, en travaillant par espace aussi, j'ai l'impression. Pour l'étalonnage, pour moi, ma partie d'étalonnage, ouais. C'est un étalonnage, on avait pas beaucoup de temps, on avait peut-être la moitié du temps qu'on a généralement pour un film. Je pense que, pour un film, le standard, je dirais que c'est peut-être, disons, 80 heures au Québec. Puis je pense que dans le cas de Félix et Meira, on avait entre 40 et 50, si je me souviens. On n'avait pas beaucoup de temps. Puis justement, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que pour ce projet-là spécifiquement, on a amené à l'étalonnage le low contrast
qu'ils avaient eu sur le tournage, duquel ils étaient quand même assez satisfaits. Fait qu'on est vraiment parti de ça. Puis ensuite, on a. En fait, c'est que la Lookup Table fait en sorte que les couleurs sont moins saturées, sont moins riches, sont beaucoup plus naturelles. Même si ça reste subjectif, là, la saturation du contraste, ça reste un élément subjectif pour chacun. Là, mais certains vont dire que le film est très désaturé, d'autres vont dire que le film est finalement assez normal. Mais on n'a pas désaturé davantage que ce que la Lookup Table nous donnait, le low contraste. Puis ensuite, à partir de là, ben, dans le fond, le procédé d'étalonnage a été beaucoup plus de juste réorienter certaines scènes, la direction de la peinture pour certaines scènes, ajuster évidemment d'un plan à l'autre pour que les raccords se fassent, ajuster d'une scène à l'autre pour que quand le passage d'une scène à l'autre se fasse bien. Puis ensuite, bon, on venait rehausser certains visages, certaines régions, venir faire certains ajustements, certaines corrections à l'image qui sont souhaitées par le réalisateur ou le directeur photo. Alors, si je reviens du coup à ton parcours, donc Ah oui, si, j'avais quand même une question sur un peu sur cette période encore de transition entre 2006 et 2009. Le fait d'avoir été formé comme assistant coloriste sur la publicité, où du coup on est obligé d'aller dans chaque détail, etc., est-ce que toi tu penses que ça t'a apporté quelque chose? Oui, oui, c'est sûr. Absolument, parce que l'approche est complètement différente. C'est le même métier, c'est les mêmes outils. C'est c'est le même bagage, c'est la même personne, mais la réflexion est complètement différente. C'est-à-dire qu'en publicité, on pense beaucoup plan par plan, puis l'objectif, en plus d'égaliser, de créer, de trouver, disons, la bonne ambiance, l'objectif, c'est beaucoup d'orienter le regard. Parce qu'on raconte une histoire avec tellement peu de temps, puis qui est tellement synthétisé qu'on veut le plus rapidement possible orienter le regard du spectateur. Fait que c'est beaucoup, beaucoup ça le travail. En plus de, évidemment, améliorer le produit en question. Alors que dans le cas de la fiction, j'englobe la fiction en général, même s'il y a des différences entre le film puis la série télé, mais dans le cas de la fiction en général, on pense pas plan par plan, mais scène par scène. En plus d'avoir, mais scène par scène, disons. Puis l'objectif n'est pas d'orienter le regard, mais vraiment plus de créer des ambiances. T'sais. Fait que le procédé intellectuel est vraiment différent. Fait que c'est sûr que je pense que les deux sont différents. Je pense pas qu'il y en a un des deux qui soit plus dur, ou même un des deux qui soit meilleur que l'autre, ou qui soit mieux que l'autre, en fait. Mais c'est sûr que, dans mon cas, en tout cas, je pense que d'avoir eu... une expérience peut-être plus approfondie en publicité qu'en long métrage, ou en tout cas d'avoir eu une formation en publicité, je trouve que moi, je constate que ça m'a apporté beaucoup. Aussi, à ne pas négliger un bon. T'as beau avoir le meilleur coloriste au monde entier, si t'es pas capable de communiquer avec un client, de comprendre un client, de te faire comprendre de ton client, par client, j'entends que ce soit un directeur photo, un réalisateur, un directeur artistique de pub ou n'importe qui à qui appartiennent les images d'une certaine manière, tu sais. Si t'es pas capable de communiquer comme ça, ben, tu sais, ça va pas marcher, tu sais. Puis, je pense qu'en publicité, généralement, il y a plus d'intervenants, il y a plus de monde, puis d'une certaine façon, c'est un peu plus hiérarchisé. En long métrage, moi, je trouve qu'il y a un rapport beaucoup plus d'égal à égal. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'en long métrage, il y a peut-être une conversation un peu plus, il y a plus d'écoute, puis il y a moins, on est peut-être plus d'égal à égal, alors qu'en publicité, c'est plus hiérarchique, c'est-à-dire qu'on a moins de temps, fait qu'il y a moins de place à la discussion, fait que généralement, on va au principal, puis... Si, quand il y a, ben, disons, moi, le rapport hiérarchique auquel je fais référence, c'est que moi, mon premier client, c'est toujours le directeur photo. Son client, lui, c'est le réalisateur. Son client, lui, c'est le directeur artistique. Mettons, dans une pièce comme ici, où on est tous les quatre. C'est sûr que si le directeur photo me demande quelque chose, puis qu'ensuite le réalisateur me demande quelque chose de différent, ben nécessairement, j'écoute le réalisateur, puis il faut que ça avance rapidement. Le rapport client, à mon avis, est peut-être un peu plus complexe et peut-être un peu plus dur à gérer, je pense, pour moi en tout cas, en publicité. Fait que certainement, ça m'a vraiment beaucoup apporté ça. Ça m'a beaucoup permis d'apprendre ça.
Puis il y a beaucoup plus de sessions aussi. Si un film, ça dure 2 semaines, ben en 2 semaines, j'ai peut-être fait 10 sessions de publicité avec 10 clients différents, avec 10 moods différents, avec 10 demandes différentes. Fait que je pense que la courbe d'apprentissage en publicité est beaucoup plus rapide pour ce qui est de la gestion de clients. Et donc, du coup, quand tu es arrivé ici, donc tu es revenu à Montréal, à ce moment-là, tu es devenu coloriste ou tu es, ou t'as continué en fait comme assistant ou... Non, je suis vraiment devenu comme coloriste. Fait que dans le fond, moi, on m'a marketé comme coloriste. J'étais absolument épouvantable. mais le gros avantage que j'avais, c'est que à l'époque où moi, je suis arrivé à Montréal, en publicité, en tout cas, je pense que les compétiteurs offraient pas le service d'étalonnage non linéaire encore. On était comme les premiers à l'offrir en publicité. Je pense que c'était offert en fiction, mais c'était moins accessible. C'était encore en phase de test. C'était encore nouveau. Mais sauf erreur, on était vraiment les premiers qui offraient le service ou qui rendaient vraiment accessible le service par défaut, là, le service non linéaire pour la publicité. Puis, on ne sera pas de cachette, un étalonneur vidéo qui travaille sur un spirit, c'est vraiment plus difficile qu'un étalonneur qui travaille en non linéaire sur une plateforme parce que tu étalonnes un plan, puis ensuite tu étalonnes tous les autres plans, mais tu ne peux plus jamais les réajuster. T'sais, une fois que tu l'as fait, c'est ça. Là, alors que, fait qu'il faut que tu sois vraiment sûr de ton coup. T'sais. Alors que dans le cas d'un étalonnage non linéaire, on enregistre, c'est-à-dire qu'on peut faire un visionnement de la pub, puis ensuite faire des ajustements, puis dire ah ouais, le raccord n'est pas parfait, puis venez toujours le réajuster. Fait que ça rend le travail beaucoup plus facile pour le coloriste, mais aussi beaucoup plus facile pour les clients. Ils sont beaucoup plus en confiance parce que eux, ils regardent leur pub. T'sais. Alors que dans le cas de l'étalonnage non linéaire, c'est-à-dire de l'étalonnage linéaire, il faut faire beaucoup confiance au coloriste. Les plateformes étaient un peu, disons, pas archaïques, mais en fin de vie, en fin de parcours. Là, c'est-à-dire que les capacités techniques étaient beaucoup plus limitées. On pouvait faire des ronds ou des carrés, là, les shapes pour venir découper des éléments dans l'image. C'était vraiment juste un rond ou un carré. Puis je pense qu'il y en avait peut-être 4. Là. Je me trompe peut-être, mes collègues me crucifiaient s'il y en avait 3 ou s'il y en avait 8. Je me souviens plus, mais il me semble que c'est 4 de mémoire. Peut-être 8. Mais bref, c'était très très limité. Alors que moi, nous autres, on arrivait en disant, ben. D'abord, vous voyez toute votre pub, votre montage. Ensuite de ça, on a un nombre infini de retouches qu'on peut faire. Ce qui, à l'époque, appelait des secondaries. En plus de ça, on peut faire des découpes spécifiques. Fait que, bref, la technologie était... On partait d'une technologie qui datait du milieu des années 90. Puis on arrivait avec la technologie vraiment plus ordinateur. Là, avec tout en 2000... Moi, c'était en 2006. C'est ça, c'était en 2006 qu'on l'a amené à Détroit, qu'on l'a introduit là où j'étais à Détroit. Puis quand on est arrivé à Montréal en 2009, c'était vraiment nouveau. Fait que là, on avait une technologie qui datait de 2009, puis on compétitionnait une technologie qui datait de 95. Fait que au niveau de la technologie des ordinateurs, 15 ans, on s'entend que c'est quand même beaucoup. Fait que c'est sûr que ce qu'on avait à offrir, au-delà du coloriste, c'était vraiment attrayant, tu sais. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à faire ma marque, tu sais. C'est ça, ouais. Et du coup, à ce moment-là, tu es rentré chez Vision Global? Non, la compagnie, ça s'appelait Buzz. C'était ouais. Ici, dans les locaux ici. Puis je pense, moi, je suis arrivé comme en février 2009, je pense. Puis à la fin de 2009, début 2010, Vision Global a fait l'acquisition de Buzz. C'est donc devenu la division publicitaire, un peu, de Vision Global. Il y avait déjà de la publicité chez Vision Global, mais elle s'est greffée à ce qu'il y avait, au service qu'il y avait chez Buzz, qui était beaucoup plus gros. Puis Vision Global en 2000, je ne suis plus sûr des dates, peut-être 2014, a elle-même été acquise par le groupe TVA, puis ils ont rebaptisé l'entité. Excuse-moi, ils ont rebaptisé l'entité Melos. Ça fait peut-être un an ou deux, je ne me souviens plus là, des dates, je suis un peu perdu. Mais donc, c'est ça, moi, je suis arrivé chez Buzz. D'accord. Et donc, tu as toujours travaillé ici? J'ai toujours été dans le bureau ici. Ça a été un peu différent, ça a changé. Ouais. Mais quand moi, je suis arrivé ici, c'était une salle de montage. Puis, on n'était pas sûr, en fait, on offrait un nouveau service, mais on ne savait pas ce que ça allait donner. Puis, un concours de circonstances a fait en sorte qu'on n'a pas eu à faire des gros investissements pour tenter le coup.
Fait que, comme on ne savait pas si ça allait fonctionner, on a gardé la salle offline ici, on a mis la plateforme d'étalonnage dans le coin, puis on avait un divan en L. Puis quand on avait des sessions d'offline, on bougeait les divans. Comme ça, on prenait pas de grosse chance. T'sais. Mais finalement, quand on s'est rendu compte que le service marchait, on a dit bon, OK, on va vraiment faire une vraie salle. Là. Fait qu'on a sorti toute la salle offline, on l'a un peu ajustée, puis adaptée aux besoins d'étalonnage qui sont quand même un peu plus étoffés. Là. Donc, tu étais tout seul comme étalonneur en pub quand tu es arrivé? Chez Buzz, oui. D'accord. Mais chez Vision Globale, il y en avait déjà 5, 6, je pense. Je me trompe peut-être, mais il y en avait comme 6. Fait que moi, dans le fond, quand Vision Globale a acquis Buzz, ben moi, je me suis greffé au groupe de 6, mais j'ai conservé la majorité de ce qui se faisait en publicité, simplement parce que j'étais sur le site ici, puis en fait, pour plein d'autres raisons. D'accord. Et donc, tu as continué, tu as fait de la publicité bah, au moins jusqu'en 2012, où on arrive en fait au premier court-métrage, etc. Je me souviens plus du premier court-métrage. J'en ai fait avant, puis j'ai... Ouais. Mais j'ai fait de la publicité à partir de 2009, j'en fais encore aujourd'hui. Là. En fait, je fais majoritairement de la publicité, en fait. Peut-être 70-30 au niveau de la répartition de mon temps de travail. Là. Mais j'ai fait mon premier long métrage. Faudrait que je vérifie. Je ne sais pas si tu avais vérifié les dates. Peut-être que tu le sais plus que moi. Mais le premier, c'était Whitewash. Il me semble que c'était en 2013. Je l'ai talonné l'été, puis il me semble que le film est sorti peut-être en 2014. Je me souviens plus, mais je me souviens que c'était l'été. Je me souviens plus si c'était l'été 2012 ou 2013. Là. Mais ça a été le premier long métrage, dans le fond, que j'ai fait. Alors là, est-ce que du coup, tu as été frustré par rapport à tout ce que tu pouvais faire sur chaque plan publicité? Est-ce que tu as été frustré par rapport à ce qu'imposait, du coup, le fait de gérer 1h30, 2h de film? Non, parce que encore là, l'approche est différente, puis les besoins sont pas les mêmes. Fait que c'est pas comme si je sentais que les images avaient besoin de quelque chose que je pouvais pas apporter parce que j'avais pas de temps. Fait que l'approche est vraiment différente. Fait que je sentais pas qu'il manquait quelque chose. Puis en plus, c'est André Turpin qui faisait la photo, puis les images étaient vraiment très belles. Il y a malheureusement peu de gens qui ont vu le film. Pourtant, c'est un très bon film. Mais les images sont vraiment magnifiques. Ça reste à ce jour, peut-être assurément dans les plus beaux films que j'ai fait. Là. C'est vraiment des belles images. Fait que c'est un peu la beauté de mon métier, finalement. T'sais, c'est que tu prends des super belles images, tu n'as peut-être pas besoin d'y faire grand-chose, d'y apporter grand-chose, puis tu mets ton nom dessus. T'sais, mais dans le cas de Whitewash, précisément, en tout cas, les images étaient vraiment magnifiques. Fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de frustration comme telle de j'aimerais ça amener ça plus loin, mais je peux pas ou j'ai pas le temps. T'sais. Par contre, c'est sûr que ça a été quand même, dans le cas de ce film-là, un apprentissage à la dure parce que la plateforme d'étalonnage était différente. Moi, j'ai toujours travaillé sur un Nucoda depuis que je fais de la publicité, là, depuis que je fais de l'étalonnage, en fait. Puis l'étalonnage chez Vision Globale, à l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs, chez Mels, se fait sur un base light dans le cas de tout ce qui est, en fait, de tout ce qui n'est pas moi, sur la pub, en pub au Nucoda. Il n'y a que moi qui travaille sur le Nucoda. J'ai un collègue, Steven, qui a commencé aussi depuis un an à en faire, en publicité. Puis j'ai un ou deux autres collègues qui, des fois, essayaient de prendre le relais si moi, je n'étais pas disponible. Mais il n'y a vraiment que la plateforme ici pour la publicité qui sert pour le Nucoda ici pour la publicité qui sert. Mais pour tout le reste, chez Vision Globale, c'est un base light. Fait que, pour plein de raisons différentes. Là. Mais donc, le long métrage devait se faire là-bas, entre autres, parce que ça se fait avec un projecteur. Fait que là, la courbe d'apprentissage a été quand même assez à pic, parce que là, je faisais mon premier film, mais aussi sur une plateforme qui m'était totalement inconnue. Fait que c'est sûr que dans l'approche, le fait d'avoir des très belles images qui ne nécessitaient pas énormément de travail, parce qu'entre autres, elles étaient super belles, mais aussi parce que le long métrage, ça demande quelque chose de différent. C'est sûr que ça a facilité pour moi la transition. Peut-être que la frustration venait plus de là. Pas tant c'est ça, du fait que je connaissais moins bien le logiciel, fait que c'était difficile. D'ailleurs, est-ce que tu peux du coup nous présenter un petit peu ton outil de travail? Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est ça, c'est une plateforme qui s'appelle le Nucoda qui est fabriquée par une compagnie qui s'appelle Digital Vision. Ou peut-être Image System, il me semble que ça avait été vendu, je ne me souviens plus. Mais c'est un système d'étalonnage qui est répandu depuis... En fait, c'est qu'il y a eu comme un moment donné où il y a plusieurs systèmes d'étalonnage non linéaire qui sont apparus à peu près en même temps, tous.
Il y a eu, le, on en, j'en ai parlé plus tôt, le Basslight, le Luster, le Nucoda. Il y a eu Speed Gray qui est arrivé un peu après, mais il y a eu Quantel aussi avec le Pablo, le Luster, je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a Da Vinci avec le Resolve à l'époque qui était beaucoup plus dispendieux qu'aujourd'hui. Puis quand en fait on a fait la migration de l'étalonnage vidéo à l'étalonnage numérique au milieu des années 2000, le coloriste avec qui moi je travaillais, lui avait testé toutes les applications, puis il avait préféré cette plateforme-là à cause des outils d'étalonnage, la diversité des outils d'étalonnage qui permettait de travailler plus rapidement. Fait que moi j'ai vraiment appris sur cette plateforme-là, puis dans le fond j'ai vraiment appris à aimer ses qualités et ses défauts. Mais pour moi, c'est une plateforme que j'ai toujours trouvée très, très flexible. Puis c'est quelque chose qui est un très gros avantage en publicité parce que les délais sont souvent très courts. Ça va souvent arriver qu'on va avoir des requêtes inattendues, on va toujours avoir des surprises. Puis c'est une plateforme qui est ça, qui est très, très flexible. Sinon, est-ce que tu voudrais encore être plus sur les aspects techniques? Oui, je veux bien que tu nous expliques un petit peu à quoi ça sert. Tout ça. Ben, la surface de contrôle, dans le fond, ça a un peu l'air d'un gros vaisseau spatial, mais en fait, c'est vraiment juste une grosse télécommande, là, tu sais. Dans le fond, j'ai des outils de transport ici pour pouvoir avancer, reculer, passer d'un plan à l'autre. J'ai les outils d'étalage ici principaux, les contrôles ici pour ajuster la couleur. Dans le fond, les anneaux servent à ajuster la luminance, les trackballs servent à ajuster la chrominance. Puis plus tu pousses dans une direction, plus ça s'en va vers une couleur, plus tu pousses vers une autre direction, ça s'en va vers une autre couleur. En fait, les autres boutons, c'est juste des trucs plus spécifiques. Ici, j'ai tous les outils différents auxquels j'ai accès pour l'étalonnage. Puis, dans le fond, la partie ici de la surface de contrôle sert surtout à tout ce qui est. Ben, c'est tout le reste, tu sais. Fait que c'est toute l'isolation, déplacer des shapes ou enfin des formes pour aller isoler une partie spécifique de l'image, contrôler le keyer qui permet de faire l'isolation spécifique d'une couleur, d'une couleur ou d'une teinte, là, ou d'une valeur là, en termes de luminance. Puis ensuite, il y a tous les autres contrôles là, pour faire les trucs un peu plates, undo, redo, pour faire des split screens, pour faire des comparaisons. Fait que c'est ce que je veux dire un peu par tout le reste, dans le fond. Là. Mais l'écran ici, dans le fond, sert pour tout ce qui est l'isolation. Fait que ici, sert pour ici, c'est vraiment pour les informations de transport. Puis ici, c'est vraiment pour la partie isolation, donc tout ce qui concerne l'échec des keys qui va se retrouver ici. D'accord. Donc, par exemple, si on veut travailler, les couleurs primaires, ce serait au milieu. Et si tu veux travailler, par exemple, sur une couleur secondaire, ce serait plutôt sur la partie... C'est-à-dire que la partie ici servirait à faire l'isolation d'une couleur, mais à toutes les fois qu'il y a des ajustements de couleurs, ça se fait avec les trackballs. Ou enfin, il y a plein d'autres outils. Il y a les roulettes ici qui desservent un autre outil. Si on travaille à partir de des courbes, ben à ce moment-là, je vais utiliser la souris. Fait que dans le fond, ce n'est pas le seul outil ou ce n'est pas la seule façon d'ajuster les couleurs, mais je dirais que c'est peut-être la principale. Ça nous permet d'être plus précis, mais le fait de travailler à partir d'une surface de contrôle, ça nous permet surtout d'être vraiment plus rapide, mais comme considérablement, plutôt que de travailler juste avec une souris, par exemple. Ou même au base light, en fait, le bold, ça ressemble un peu à la même. C'est assez similaire, là, mais il y a une partie avec une tablette graphique, dans le fond. Il y a une partie avec une tablette graphique, fait qu'on n'a pas besoin de travailler avec une souris pour la plupart du temps, mais c'est sûr que le fait de travailler avec un panneau de contrôle, ça nous permet d'aller vraiment plus rapidement. Donc, ça, du coup, c'est un atout pour la publicité. Tout à fait. C'est aussi un atout pour le film. C'est un atout pour n'importe quel travail d'étalonnage, à mon avis. Et alors, comment tu t'organises ton travail? Par exemple, sur les longs métrages, comment tu organises ton travail? J'ai entendu parler de certains étalonneurs qui aimaient bien passer les 2-3 premiers jours, par exemple, avec le chef opérateur à côté de lui, etc. Quand tu dis chef opérateur, tu veux dire un directeur oui, photo? Oui, directeur photo, ouais. Okay. On utilise les deux termes en France. Indifféremment. Certains m'ont dit, je préfère être, on me donne des directions, mais je préfère être tout seul
et travailler en fait sur une première mouture et proposer ça et après on ajuste, etc. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de modes, ouais, de fonctionnement. Est-ce que toi, tu as des préférences? Ben oui, tout à fait. C'est sûr que j'essaie toujours aussi de m'ajuster à ce que mon réalisateur ou directeur photo souhaite. Mais généralement, on a peu de temps pour faire un film. 80 heures, c'est quand même pas énorme. Généralement, des fois c'est moins, parfois ça peut être plus. Mais souvent, le fait d'avoir peu de temps, ça fait en sorte que tu n'as pas le temps de te tromper, tu sais. Moi, je préfère toujours valider la direction assez tôt dans le processus, parce que si on est très avancé et qu'on utilise 25 heures à pousser dans une direction, ce qui a l'équivalent de 3 jours, puis que finalement, c'est pas vraiment ça, puis que là, il faut vraiment comme recommencer au début, faire une espèce de tout réajuster, puis tout retravailler, c'est sûr que ça fait beaucoup de temps perdu. Moi, je préfère... Généralement, au début, je préfère avoir, c'est sûr, quelques heures pour moi, pour essayer de trouver une direction, puis essayer de trouver une chose que j'aime, ensuite faire autre chose, les mettre en opposition. Puis des fois, quand tu as une option A puis que tu fabriques une option B, ça va relever des problèmes de l'option A. Fait que tu peux bonifier l'option A en la comparant à l'option B, tu sais. Fait que tu fais juste, ça te permet d'en avoir deux ou trois, puis des améliorer, des bonifier en les comparant l'une avec l'autre. Puis ensuite de ça, moi, je proposais ça, disons, à un directeur photo ou à un réalisateur. Là, je parle vraiment dans le cas d'une fiction. En publicité, c'est similaire, mais les délais sont toujours un peu plus courts, là. Mais en fait, à partir de là, c'est à peu près la même approche, en fait. C'est que je vais proposer ces versions-là, par exemple. Des fois, j'en propose juste une. Des fois, je peux en proposer trois. Des fois, j'en propose quatre. Ça peut vraiment être différent. Mais à partir du moment où on se dit « Ok, c'est celle-là qu'on aime » ou « J'aime bien celle-là, mais j'aime cet élément-là de l'autre version. » Bref, on va ajuster pour dire que c'est à peu près ça la direction. Fait qu'ensuite, ce que j'aime faire, c'est des fois... C'est-à-dire que c'est prendre la direction qu'on a aimée. Dans le cas, par exemple, d'une fiction, que ce soit une série, moins une série, plus un long-métrage. Dans le cas d'un long-métrage, on va prendre ce qu'on a aimé puis on va aller essayer ça sur d'autres scènes. Puis comment est-ce que ce qu'on aime dans l'image, dans cette image-là, se déclinerait ailleurs? Fait qu'on va essayer ça, puis ça nous permet de valider la direction ou venir la réajuster, puis dire, tu sais, si on aimait l'option A dans la scène 1, l'option A dans la scène 6, ça marche moins bien, on va l'ajuster, puis en l'ajustant, on revient dans la scène 1, on la réajuste. Fait que dans le fond, en procédant comme ça, ça nous permet la première journée, peut-être, de travail. Tu sais, 80 heures, ça nous donne à peu près, mettons, on fait des journées de 7 ou 8 heures, là, ça varie, mais disons que ça donne, mettons, 2 semaines de travail. Ça veut dire que la première journée, on va passer peut-être la première demi-journée à essayer de trouver le bon truc, la bonne direction. Ensuite, la demi-journée restante, on va essayer d'appliquer ça un peu ailleurs, de voir comment ça fonctionne. Le lendemain, on va revoir ce qu'on a fait, s'assurer que est-ce que ça fonctionne encore avec un peu de recul, est-ce que ça nous plaît toujours, puis continuer de décliner ça sur les scènes. Puis une fois qu'on est comme confiant, généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de compléter des scènes une après l'autre. Pas nécessairement dans l'ordre. J'aime pas vraiment partir du début puis y aller dans l'ordre, parce que souvent, le début d'un film, c'est pas nécessairement représentatif du reste. Fait que souvent, tu vas commencer par le début, ça va être parfait, puis là, plus tu avances, plus tu te rends compte que ça marche pas pantoute avec le reste. T'sais. Fait que j'aime mieux y aller dans le désordre puis faire vraiment étalonner des scènes dans le désordre complète. Progressivement jusqu'à ce que tout le film soit complété. Généralement, ça utilise peut-être 30% de notre temps. Faire ce qu'on appelle une première passe, là, c'est-à-dire trouver le look et l'appliquer sur tout le film. Moi, j'aime faire des bonnes premières passes qui tiennent la route. J'aime pas comme... Je considère que plus ta première passe est bonne, c'est-à-dire que dans mon cas, pour moi, c'est très personnel, je pense que j'aurais de la difficulté à rattraper une mauvaise première passe. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas tourner les coins ronds, puis de ne pas remettre à plus tard, puis d'essayer de la rendre la plus parfaite possible du premier coup. Ça me sécurise beaucoup pour le reste du processus, parce que je me dis tout le temps, OK, c'est déjà bon ce qu'on a, tu sais. Fait que
Le reste, c'est vraiment de bonifier ce qu'on a et non pas de réparer des erreurs que j'aurais pu faire dans la première passe. Je vais essayer d'améliorer des choses que j'ai pas su améliorer au le premier coup. J'ai pas vraiment su amener à un endroit que moi je considère satisfaisant. Fait que donc, je mets quand même beaucoup d'énergie sur la première passe. Cette partie-là de travail, à partir du moment où on a déterminé le loop, on a validé que c'était bon, la fameuse première passe, l'appliquer partout, c'est sûr que c'est un peu moins intéressant pour le client, pour le réalisateur, vous allez faire photo. Généralement, ils restent là, ils vont me donner des cues, mais je suis assez autonome pour ça. Ensuite, le 30%, ça serait 30%. Le 30% restant, c'est de visionner, d'ajuster, de corriger le tir, de réajuster, de dire, ah ben c'est bon, mais cette scène-là par rapport à celle-là, ça marche moins bien, ou faire des gros, des ajustements overall, puis bonifier, juste bonifier, puis venir améliorer, puis dire, là, on va tomber dans les trucs plus secondaires, dire, ah ben on peut. Mettons que j'ai déjà un peu highlighté son visage, mais on pourrait le faire mieux, on pourrait y aller de manière plus spécifique. À partir de ce moment-là, c'est ça, on a un meilleur point de vue, on a une meilleure idée du temps qui nous reste. Fait que c'est plus facile de gérer le temps qu'on a pour améliorer vraiment l'image. Puis le 30% restant, fait que mettons sur 80 heures, on parle de 25 heures, peut-être l'équivalent de 2 jours, sert à vraiment comme écouter le film, prendre des notes, corriger les notes, réécouter le film, puis là, avoir les espèces d'approbes avec tout le monde, là, t'sais. Réécouter le film tout seul ou avec... Avec des clients, toujours avec les clients. À cette étape-là, moi, ça me prend vraiment les clients parce que souvent, rendu à cette étape-là, moi, je suis assez satisfait. Fait qu'il reste vraiment à améliorer les choses qui, eux, les agacent. Parce que, ultimement, moi, je pourrais continuer pendant 250 heures, t'sais. Mais il y a des choses que je dis, ah, pour moi, ça, c'est satisfaisant, ça passe. Je pourrais l'améliorer, mais ça va, tu sais. Fait que dans le temps qui me reste, pour moi, ça serait pas une priorité. Fait que c'est pour ça que c'est important à cette étape-ci de le visionner avec le client parce que faut voir qu'est-ce qui pour lui ne passe pas, tu sais. Fait que vers la fin, donc le 30% restant, ça sert vraiment à visionner puis à ajuster. Fait que ça, c'est pour le long métrage. Si je résume simplement, là, le premier 30% sert à déterminer le look, à faire une première passe. Le deuxième à améliorer puis à bonifier ce qu'on a, puis le troisième à vraiment faire l'approbation. Dans le cas de la publicité, on a moins de temps, disons, on a 4 heures là, pour faire une publicité à peu près, une campagne, là. 1 ou 2, 30 secondes, là. Fait que je dirais que la première demi-heure, la première heure, ça sert à vraiment comme déterminer le look, valider que c'est la bonne piste. Puis généralement, la moitié du temps alloué sert à faire une première passe, la deuxième moitié sert à venir à pousser un peu plus loin, puis améliorer un peu plus loin, améliorer un peu plus, puis juste visionner, puis faire la prod. Pourquoi est-ce que sur une fiction, la première passe prend 30% du temps, puis sur de la pub, ça prend peut-être plus 50% du temps? C'est, comme je disais un peu plus tôt, il y a quand même plus de travail plan par plan sur une pub. Fait que ça demande plus de temps à faire une première passe, parce que pour moi, la première passe, ça implique pas juste égaliser, puis juste s'assurer que le look est bon, ça implique aussi vraiment tout amener les améliorations que je peux voir à ce moment-ci à l'image. Fait que tout ce qui est les secondaries, isolation, ajouter les couleurs, venir highlighter certaines régions, venir faire l'orientation du regard, orienter le regard comme je disais plus tôt. Moi, je fais tout ça dans ma première passe. Ouais, voilà. T'as répondu un peu à ta question. Oui. Et alors, du coup, pour les longs métrages, le fait de faire un petit peu du saute-mouton là, de scène en scène, Ouais. ajuster, est-ce qu'il y a aussi en fait l'idée, par exemple, de dire ben, on va traiter ce type de scène, comment dire, on va rassembler par exemple les scènes nocturnes ou les scènes qui vont se placer dans un même lieu. Ouais. Ça, c'est voilà. Est-ce que toi, tu as à un moment donné le scénario entre les mains? Oui. Et quand est-ce que tu le lis en tant que... Ben, moi, j'essaie maintenant d'être. C'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais j'essaie d'être impliqué le plus tôt possible dans le processus, idéalement bien avant qu'il commence à tourner. Mais, donc, c'est un peu contradictoire, j'essaie de ne pas lire les scénarios. Parce que souvent, en fait, sans même lire le scénario, je connais quand même un peu l'histoire. Je sais surtout, je connais un peu l'ambiance, le ton, puis la force de discuter avec le directeur photo, avec le réalisateur, je sais un peu ce qu'ils cherchent comme look, on en parle, ils ont des lookbooks, ils ont des références. Donc on parle beaucoup de l'image, de la direction, du ton. Mais j'essaie de ne pas lire le scénario parce que souvent, quand je lis le scénario, après j'écoute le film, puis j'ai plus cette impression de premier spectateur, t'sais.
je l'écoute puis j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Fait en lisant pas les scénarios, quand j'écoute le film, c'est vraiment nouveau puis j'ai vraiment l'impression de l'écouter pour la première fois puis je vois vraiment le film pour la première fois puis je peux plus facilement... j'incarne un spectateur qui voit le film pour la première fois. Donc moi, ça me donne des indices dans mon travail après, dans mon premier visionnement, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, qu'est-ce qui va être à régler ou qu'est-ce qui est... Mais bien souvent, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai aimé, tu sais. Puis par rapport à ce que je vois, c'est quoi la charge de travail pour vraiment comme l'amener plus loin ou qu'est-ce qui est... Essayer de trouver, ben qu'est-ce qui fonctionne là-dedans, tu sais. Fait que j'ai vraiment un premier point de vue, une première vision de spectateur. Mais j'essaie d'être vraiment impliqué là, le plus tôt possible maintenant, puis de plus en plus, parce que je pense que c'est vraiment un plus-value là, comme coloriste qu'on a à offrir en étant impliqué plus tôt. Ben, on arrive au moment où, à la première session d'étalonnage, puis on a déjà beaucoup parlé. Je connais déjà le ton, je connais déjà le projet. Généralement, j'essaie de suivre les rushs, un peu le tournage. Il y a eu des échanges pendant le tournage aussi. Fait que je suis quand même assez au fait du projet, ce qui fait qu'on perd moins de temps à juste tâtonner puis essayer des trucs parce qu'on sait déjà à peu près c'est quoi la direction de ce film-là, de cette série-là. Est-ce que du coup, il y a des directeurs de la photo avec qui tu arrives en fait, déjà en fait, à mettre en place ça? Est-ce que, par exemple, je sais pas, enfin, tu as beaucoup travaillé avec André Turpin, par exemple, est-ce que, du coup, c'est un collaborateur avec qui tu peux parler très en amont? Je te dirais que pratiquement tous les directeurs photo avec qui je travaille sont très, très réceptifs à ça. Puis, je vais même plus loin que ça maintenant. J'essaie d'aller dans les bureaux de proches. J'essaie d'avoir le plus une relation aussi avec le directeur artistique, là où la directeur artistique... pour essayer d'amorcer une conversation sur la palette de couleurs à la DA déjà, au costume beaucoup aussi. Pas pour donner mon avis, mais juste pour savoir, pour voir, puis des fois pour dire, ben, parce que souvent en fait, les demandes que moi on va me donner au niveau de l'étalonnage, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par la DA, tu sais. Fait que c'est vraiment les directeurs photo et les directeurs artistiques, ça va vraiment ensemble là, au niveau aussi la composition de l'image. Fait que, c'est sûr que moi, j'ai un lien beaucoup direct avec le directeur photo, mais j'essaie aussi de collaborer avec le directeur artistique pour l'aider. Fait que, généralement, c'est assez rare que... En fait, moi, j'ai jamais croisé personne qui n'est pas ouvert à ce que je sois plus impliqué. Puis pour moi, plus impliqué, ça ne veut pas nécessairement dire donner mon avis ou donner des contraintes ou donner des directives ou même donner mes impressions, mais c'est plus juste une présence puis me familiariser avec tout ça, t'sais. Puis c'est sûr que dans la fiction, les directeurs photo avec qui je travaille, avec qui je collabore, c'est tous des amis, c'est tous des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé, beaucoup en pub en fait, à l'origine. Ce qui fait qu'on se voit souvent, on peut se parler beaucoup, on garde toujours contact. Ça va arriver des fois où on va, des gens, par exemple, des gens que je connais moins ou que je connais pas, vont demander à ce que je collabore avec eux sur le film. Puis là, généralement, on se voit pas avant le tournage. C'est arrivé même rarement, j'essaie vraiment d'éviter ça, qu'on se rencontre la première fois, jour 1, l'étalonnage dans la salle d'étalonnage. Mais ça, pour moi, c'est vraiment pas souhaitable. Mais tout le monde est toujours ouvert à la collaboration, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu. Est-ce que tu as des exemples de films où vous avez vraiment pu décider d'un look, voire même toi, tu as pu essayer de chercher une lutte ou un look particulier en fait en amont du tournage? On fait toujours des tests caméra, ouais, avant les tournages. C'est toujours l'occasion aussi de tester un peu les directions d'étalonnage. Mais bien souvent, moi je trouve ça assez difficile de trouver le bon look, la bonne... Bon, j'haïs ce terme-là, mais trouver un peu la bonne recette ou enfin la bonne... la bonne configuration d'étalonnage sur un plan vraiment technique. Je trouve ça dur de trouver ça avant d'avoir les vraies images, avant d'avoir les vraies scènes, avant d'avoir les vrais comédiens. Je trouve ça dur. Souvent, on va setter des trucs au moment des tests caméra, puis rendu au final, on garde la même approche, on garde la même idée, mais la manière de le faire souvent va changer.
Souvent parce que j'ai plus de temps, parce que les images, c'est plus ça. Les images sont au test caméra, c'est pas les comédiens, c'est pas la bonne location, c'est pas la bonne lumière. L'image est quand même moins soignée, là, tu sais. Fait que c'est vraiment plus dur d'appliquer ça. Mais toujours et de plus en plus, on essaie au moins de déterminer la bonne palette de couleurs, la bonne approche, mais peut-être que c'est un défaut aussi que j'ai, mais j'ai beaucoup de difficultés à, toujours sur le plan strictement technique, à déterminer le cadre avant d'avoir les vraies images, puis de pouvoir vraiment les manipuler, puis de dire, ah, ben, tu sais, c'est mieux de faire ça comme ça, ou c'est mieux ci, ou c'est mieux ça, tu sais. Parce qu'il y a tellement de bonnes manières de transformer une image, puis de l'amener là où on veut, que je préfère me concentrer sur l'approche, la direction, là où on s'en va, plutôt que sur le plan technique, du travail en amont pour dire on va faire ça comme ça. T'sais. Après ça, cela étant dit, c'est sûr que il y a toujours, à force de travailler et d'essayer des trucs, on trouve toujours des techniques, des outils où on se dit hey, ça c'est cool, ça marche bien, c'est intéressant. T'sais. Mais c'est rare que. Généralement, ça se fait plus, pas par erreur, mais presque. Ouais, c'est ça. Je dirais ça. D'accord. Et oui, alors, juste, on parlait des essais costumes. Est-ce que tu participes aussi aux essais maquillage? Oui. En fait, c'est rare que je vais être là pour les tests, ce que nous, on appelle les tests CCM. Je vais pas être là pour le tournage. Des fois, pour les tests caméra, je vais faire un tour, mais c'est plutôt rare. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une série de deux tests où on va les combiner en une seule séance de tests, où on va faire ce qu'on appelle les tests caméra, où on va tester différents lentilles, différents filtres, différentes configurations de tournage, des trucs qui sont spécifiques à un tournage, pas nécessairement d'effets spéciaux d'explosion, mais plutôt des techniques de caméra qui sont propres à une scène ou à un truc en particulier. Puis ensuite, on va joindre à ça des tests CCM où là, on va vraiment tester différents costumes, différents panneaux de différentes couleurs, différents tissus, différents make-up, des fois des make-up spéciaux de vieillissement, de blessures, de différents types de sang, ou tout ce genre de trucs-là. Fait que oui, moi, je vais être là pour les tests parce que souvent, on veut les voir sur grand écran aussi parce que ça va changer notre perspective aussi. Quand je dis « on », je veux dire toute l'équipe, là, le DA veut voir sa DA à l'écran, le directeur photo veut voir ses lentilles à l'écran, sa filtration à l'écran. Même chose pour les maquilleurs. Puis c'est là où on va essayer sommairement, ou en tout cas idéalement le plus précisément possible, mais comme je disais tantôt, c'est assez dur d'y arriver, représenter ce que l'étalonnage final va donner pour donner une impression juste de ce que... de ce qu'une fois étalonné, les couleurs à l'écran vont donner, t'sais. C'est sûr que c'est jamais tout à fait ça, mais ça donne une bonne idée. Alors justement, par rapport en fait, à la question du maquillage, du coup, sur la question du rendu de la peau, jusqu'où tu vas, alors en pub c'est peut-être un peu différent, et en long métrage, en fait, sur ce qu'on appelle les plans cosmétiques, d'effacer des choses sur le visage de quelqu'un, l'allonger, rajouter une ombre, etc. Où ça s'arrête pour toi? C'est sûr que nous, on a quand même une contrainte de temps qui fait que moi, j'ai toujours pensé qu'il y a des choses qu'on peut faire à l'étalonnage, sauf que je pense que bien souvent, ça va être un petit peu plus long, un petit peu moins bien fait, puis plus cher. Fait que j'ai toujours tendance à dire, ben, on a peu de temps, concentrons-nous sur l'étalonnage, puis tout ce qui peut être fait aux effets visuels, envoyons-le aux effets visuels dans la mesure où on peut se le permettre au niveau du temps, au niveau du budget et tout et tout. Fait qu'il va arriver que des fois, s'il y en a, il y a une petite retouche, on peut le faire l'ajustement. Des fois, mettons, effacer des trucs, il y a une perche qui va descendre un peu dans le corps, on va faire l'ajustement, ce genre de trucs-là. Au niveau des cosmétiques, c'était surtout ta question, portait surtout là-dessus sur le skin tone, sur les cosmétiques. Le dernier film que j'ai fait, c'est le film de Xavier Dolan. Il y a beaucoup, beaucoup de visages connus. Puis c'est sûr qu'on est toujours sensible. On est toujours sensible à ce qui sort bien. Parce que ça aurait beau être la plus belle fille du monde à 16 ans. Quand tu mets une caméra proche du visage, ben c'est sûr que tous les défauts du visage ressortent. Fait qu'on essaie
pas nécessairement de camoufler, mais on essaie d'améliorer le plus possible les comédiens. Puis dans un cas comme un film comme celui-là, il y en a tellement, puis c'est tellement absolument sensationnel ce qu'ils arrivent maintenant à faire aux effets visuels que pour moi, je ne vois pas d'avantage à faire ça à l'étalonnage. Des fois, faute de temps ou de budget, ben, y en a qui préfèrent se garder juste un layer comme à part, là, où on fait juste comme systématiquement appliquer ça partout. Mais dans la mesure où on peut se le permettre, moi, je préfère que ce soit vos VFX. Et est-ce que tu as déjà vu des acteurs ou des actrices qui sont venus regarder un petit peu? Pour vrai, la dernière place où tu vois un comédien, c'est dans une salle d'étalonnage. Mais parce que c'est tellement un grand zoom, on scroll, on fait des quilles, puis des fois les quilles, c'est comme ça fait ressortir des trucs vraiment horribles dans le visage, puis c'est vraiment pas flatteur. Surtout que on fait pause pour étalonner un plan, puis les styles, les frames sur lesquels on arrête, c'est jamais très très flatteur, puis on fait jamais attention à ça. Fait que bref, généralement les comédiens viennent pas à l'étalonnage. Ça m'est arrivé d'avoir des comédiens qui viennent au test pour voir des trucs parce qu'ils ont des inquiétudes ou ils veulent valider des trucs, mais à l'étalonnage, je pense pas que j'ai jamais eu aucun comédien qui soit venu. Je pense pas. Et sinon, alors du coup, au début du processus, le directeur de la photo et le réalisateur, ils sont tous les deux là ou tu peux être tout seul avec le directeur photo? Ça dépend des projets, ça dépend des horaires. Tu as des directeurs photo et ou des réalisateurs qui ont des disponibilités à ce moment-là ou qui n'en ont pas du tout. Fait que là, il faut toujours s'organiser pour essayer d'accommoder plus leur horaire, mais au niveau de la... Je te dirais que c'est ça le point principal, c'est vraiment accommoder les horaires, puis ça fonctionne par rapport à ça. Je pense que moi, s'ils peuvent être là, tant mieux. S'ils peuvent pas être là, ben tant pis. Mais il s'agit que tout le monde soit conscient que si t'es pas là, ben c'est sûr que il y a des choses qu'il va falloir s'ajuster en fonction du fait que t'es pas... Il va falloir ajuster les attentes, d'une certaine façon, en fonction du fait que ben, t'es pas là, t'sais. Fait que je pense que peut-être pas à faire tel truc qui t'agaçait si tu me le dis pas puis que t'es pas là pour me le dire, t'sais. Mais généralement, ça se passe super bien, puis les directeurs photo, il y en a qui vont être là le plus souvent. Puis même quand ils peuvent pas être là souvent, des fois on envoie des styles, puis on trouve toujours le moyen d'accommoder jusqu'à la toute fin tous les petits trucs qui peuvent les agacer. Mais je dirais que moi, j'ai pas de préférence. En fait, non, c'est faux. J'ai une préférence pour qu'ils soient là, parce que ça valide la direction, puis avec la plupart, avec tous les directeurs photos, le fait d'avoir à mes côtés un directeur photo, ça fait en sorte que lui va voir des trucs que moi je verrai pas, puis ça fait en sorte qu'on bonifie vraiment l'image. T'sais. C'est vraiment mieux. Ils me permettent, moi, d'améliorer vraiment mon travail. Fait que je préfère qu'ils soient là, puis c'est la même chose avec les réalisateurs aussi. C'est sûr que les directeurs photos, des fois, vont être plus spécifiques, mais c'est la même chose avec les réalisateurs. T'sais. Plus ils sont présents, ben, moi, personnellement, je trouve que ça bonifie vraiment le projet, puis ça bonifie vraiment l'image. Mais s'ils sont pas là, on fait avec, puis souvent, c'est vraiment une question d'horaire. Et tu parlais tout à l'heure des lookbooks. Donc, ce sont des plans, j'imagine, avec des images, etc. Ça, ce sont des choses, en fait, que les directeurs photo t'amènent, ou les directeurs artistiques? Souvent, c'est plus les réalisateurs qui vont construire ça, que ce soit une banque d'images ou des références, ou des fois c'est pas. Des fois c'est très 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 élaboré. D'autres fois c'est vraiment plus. Ils vont apporter un livre de photos en disant, tu sais, tel genre d'image, ça j'aime ça. Mais pas nécessairement un livre de photos du film, mais plutôt un livre de photos d'un photographe d'art qui chérisse ou quoi que ce soit. Des fois c'est rien du tout, puis c'est juste une conversation. Fait que ça change vraiment d'une personne à l'autre. Je sais que. Le dernier film que j'ai fait, toujours avec Xavier, je sais qu'il y avait vraiment un lookbook super élaboré, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Ah. Fait que, tu sais, lui, il sait ce qu'il veut. Fait qu'il n'y a pas nécessairement besoin de le montrer en disant « fais ça », tu sais. Il va me dire « fais ce que tu penses », puis il va l'ajuster en fonction de ce que lui souhaiterait avoir. Fait que ça fait que ça ne teinte pas nécessairement ce que moi, je fais, puis que je sais pas, ça devient pas, tu sais, ça devient, c'est-à-dire que ça devient ma propre interprétation de l'image. Ma propre, c'est ça, je dirais ça comme ça, puis lui peut m'orienter vers comment lui voyait ça, plutôt que, disons, juste reproduire quelque chose, tu sais. Fait que lui préfère travailler comme ça, mais il n'y a pas de mal non plus à avoir vraiment une direction précise, dire c'est vraiment ça qu'on cherche, puis moi, mais je pars de ces références-là, puis j'essaie d'ajuster. Mais ça varie vraiment d'une personne à l'autre, puis c'est plus proche au réalisateur, je dirais. Mm.
Il y en a qui sont très visuels puis qui ils ont vraiment besoin de ce type de référence-là qui sont très hétéroclites, là. Ça va venir de plein d'endroits différents. C'est jamais exactement comme la copie conforme, genre c'est ceci qu'on va reproduire, mais souvent ça donne des bonnes idées de direction. Est-ce que le fait de, du coup, d'être passé à commencer à faire des courts-métrages puis des longs-métrages, est-ce que c'est lié du coup en fait à ta collaboration avec les directeurs photo qui ont demandé en fait à t'avoir sur tel ou tel projet? Comment ça s'est... C'est exactement ce que tu décris en fait, c'est que en publicité, bien, c'est sûr qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de directeurs photos, puis dans le marché ici, la plupart des directeurs photos qui font du long-métrage font aussi la publicité et vice-versa. Pas tous, mais la plupart. Dans le cas des réalisateurs, c'est un petit peu moins élevé, mais il y en a quand même beaucoup qui font les deux. Fait que c'est sûr que ben, en publicité, t'sais, en long métrage, mettons, on va faire. Je vais faire un film avec un réalisateur, mais ce réalisateur-là fait peut-être un film aux 2, 3 ou 4 ans. T'sais. Fait qu'on va se voir pendant 2-3 semaines de façon intensive, mais à chaque 3 ans. T'sais. Alors qu'en publicité, c'est très différent. On se voit juste 4 heures. On se voit beaucoup moins longtemps, mais on peut se voir une ou deux fois par mois, tu sais. Fait que ça développe des liens qui sont très, très différents. Mais à force de se voir de plus en plus, bien, à un moment donné, on développe des liens d'amitié, mais aussi une collaboration professionnelle qui est plus agréable. On se comprend, on se connaît, ça travaille mieux, ça travaille plus vite. On communique vraiment mieux entre nous. Ce qui fait que la relation que j'ai développée avec ces directeurs photos-là ou ces réalisateurs-là, bien, quand ils ont eu des projets de films, ben, je pense que pour eux, je peux me tromper, j'espère que ça ne sonne pas présomptueux, mais je pense que pour eux, ça allait de soi que, puisque notre collaboration était fructueuse en publicité, ben, ils se sont dit ben, pourquoi pas en long métrage. Ça affecte tranquillement, pas vite. J'ai fait quelques longs métrages avec des gens qui faisaient beaucoup de pubs. Puis ensuite, il y a toujours une connexion avec les projets. Je pense que le premier film que j'ai fait, c'est le film qui s'appelle Whitewash, avec un réalisateur et un directeur photo avec qui je travaillais beaucoup en publicité. Puis le film que j'ai fait tout de suite après, Gabrielle, c'est une réalisatrice, Louise Archambault, puis un directeur photo, Mathieu Lavezère, avec qui je n'avais jamais travaillé. Mais Louise connaît très bien André, puis c'est la même maison de production. Fait que là, ben, y a une connexion finalement qui s'est faite là. Fait que ça se passe beaucoup comme ça. Puis à l'origine, il y a toujours, tu sais, souvent, il va y avoir un directeur photo, un réalisateur avec qui j'ai travaillé en publicité. Alors, du coup, par exemple, avec. Parce que du coup, j'ai repéré quelques chefs opérateurs, dont effectivement André Turpin. Du coup, vous aviez déjà fait des publicités avant, et la première collaboration sur un court-métrage, c'était Ilia Mitovski, c'était son court-métrage. De ce court-métrage-là? Oui, avec Anaïs. Ouais. Je pense que c'était peut-être effectivement le premier court-métrage. Alors, comment... Je pense pas que ce soit le premier que j'ai fait, mais c'est peut-être le plus... En fait, parce que tu sais, aujourd'hui, avec des caméras numériques, faire un court-métrage, c'est quand même, ça demande pas... contrairement au long-métrage, ça t'as pas nécessairement besoin d'avoir une subvention de 80 000 pour faire un court-métrage. Dépendamment dépendamment des projets. Là. Avant INA, je pense que j'ai dû faire, je ne les ai pas recensés, mais quand même beaucoup, beaucoup de courts-métrages avec plein d'autres gens qu'on aidait. Là. Mais je pense qu'effectivement, en fiction, INA était peut-être ma première collaboration avec André. Ouais. Parce que, est-ce que ce serait possible, en fait, d'avoir un... Parce que du coup, je me suis fondée sur l'IMDB, oui. Qui commence du coup en 2012 avec Pistour. Et oui. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir, après, hein, si vous nous envoyez en fait un CV? Je peux vérifier, mais mon Dieu, pour vrai, je ne l'ai même pas. Je ne saurais même pas te dire. Souvent, il faudrait que je fouille dans toutes les archives pour vraiment dire, ah oui, il y a eu tel court-métrage aussi, parce qu'il y en a auxquels je vais penser, mais je peux faire la recherche si tu veux, là, mais je ne l'ai même pas, souvent, je ne l'ai même pas noté, là, parce que des fois, c'est tellement des petits projets. Que ça devient aussi souvent pour ces réalisateurs-là, c'est souvent des réalisateurs qui commencent puis ils veulent avoir un peu de bagage. Fait que c'est pas nécessairement des trucs qui ont circulé, mais il y en a quand même plusieurs. Mais je pourrais peut-être faire l'exercice de vérifier. Là, Parce que c'est assez compliqué en fait d'établir une filmographie complète avec un nom. C'est très très compliqué. Ouais, c'est possible parce que souvent on n'est pas très rigoureux. On n'est pas très rigoureux là-dedans, effectivement. Les plus gros films et les plus gros projets vont être là. Mais des fois, il y a tellement des petits projets.
de vidéoclips qui font juste passer, qu'on oublie des fois de dire de l'ajouter par exemple sur IMDb ou ailleurs. Et est-ce que tu te souviens du coup pour ce court-métrage-là, Inalitovsky, ouais. Quelles étaient les demandes de Turpin, quelles étaient sur quel imaginaire visuel vous étiez parti? J'essaie de me rappeler, ça fait quand même un moment. Je me souviens que c'était tourné en pellicule. On l'avait amené ici exceptionnellement. Il y a beaucoup de courts-métrages que j'ai étalonnés ici, en fait, de fiction. Pour ça, je me souviens qu'on avait quand même cherché, on avait essayé des trucs, on avait essayé diverses techniques. Le court-métrage nous permet ça. C'est-à-dire qu'on a quand même plus de... On peut des fois se permettre d'essayer plus de trucs. On a à essayer ça sur... Généralement, un court-métrage, ça va être une scène ou deux scènes, tu sais. Je me souviens qu'on avait essayé des trucs très spécifiques. Il y avait aussi une référence un peu... peut-être russe, là... 1960-1970, fait qu'on a joué un peu avec les couleurs, avec le rouge aussi, trouver ce qu'on a la bonne teinte de rouge, avec une certaine, des fois une certaine dureté à l'image aussi, là, j'arriverais pas nécessairement à intellectualiser vraiment notre direction, je me souviens pas exactement c'était quoi la commande qu'il y avait d'André, mais je me souviens qu'on avait quand même cherché à trouver un univers propre vraiment à ce personnage-là. J'ai oublié le nom du personnage, elle avait Dina, là, mais elle avait... Sophie, c'est ça. Puis évidemment, il y avait tout cet échange-là avait eu lieu aussi avec Anaïs, mais je me souviens pas vraiment dans les spécifiques, je me souviens qu'on avait comme essayé plein de trucs, puis diverses versions, diverses approches, si on essayait ça, si on essayait ça. On a eu quand même beaucoup de temps pour essayer, parce que souvent, dans le cas des courts-métrages, ça devient des gratuités, puis on les fait quand on a pas de booking, tu sais, fait que souvent, on a tellement de temps qu'on fait comme... On n'est vraiment pas pressé, fait qu'on va essayer des trucs, on va essayer autre chose. Puis moi, j'applique ça partout, ils reviennent, on regarde. T'sais. Mais je sais pas si je peux vraiment bien répondre à ta question, je me souviens pas très bien. En fait, ce qui m'a frappé, mais c'est valable en fait pour la plupart des films en fait, que photographie André Turpin, c'est l'extrême diversité en fait, des plans. On peut avoir des plans extrêmement sombres avec des noirs très denses, et on enchaîne avec un plan où on s'évanouit quasiment dans le blanc. Là, par exemple, pour Inalitovsky, il y a les plans dans le... J'imagine qu'ils sont lissés, en fait. Ouais. Avec couloir très, très blanc. Et puis après, le plan où elle est dehors sous la neige, elle commence à jouer de violon. Et on est effectivement dans des scènes qui sont très, très contrastées. Très contrastées. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée. L'autre chose aussi où je me suis demandé si ça avait été fait à la prise de vue ou à l'étalonnage, c'est que il y a plusieurs moments, mais on a par exemple plusieurs espaces de couleurs, donc par exemple du bleu et du orange, notamment quand elle regarde l'immeuble où sa mère apparaît à la fenêtre. Ouais, dans les fenêtres, n'est-ce pas? Oui, voilà, exactement. Donc là, en fait, on a une fenêtre complètement orange-brun, et puis on a l'escalier en fait qui est bleu-blanc. Et je me suis demandé si ça, en fait, ça avait été fait au moment de la prise de vue. Je suis pas mal sûr que c'est. Peut-être que ça a été rehaussé ou ajusté à l'étalonnage, mais la différence de température couleur dans ces lumières-là, assurément, ça a été fait sur le tournage. Peut-être qu'à l'étalonnage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, disons, peut-être que celui-là soit un petit peu plus clair, celui-là un petit peu plus sombre, le jaune un petit peu plus vert, un petit peu plus orangé, je me souviens plus très bien. Des températures, un changement de température de couleur aussi énorme, ça a été vraiment fait à la captation. Ça, c'est sûr. Et alors, du coup, ça me fait penser à un autre film que j'aimerais qu'on évoque, c'est Momie, où là, du coup, il y a des choix en matière de couleurs qui sont incroyables. Et alors, dans quelle mesure ça a été décidé à la prise de vue? Dans quelle mesure il y a des scènes, en fait, où vous avez décidé d'aller complètement, je sais pas, dans le monochromatique? Je pense à certaines scènes en bleu, notamment, par exemple, quand Steve est dehors et qu'il va voir Kevlar pour lui demander de l'aide. Dans le cas des collaborations que j'ai eues avec Xavier, je pense que ce qui le caractérise, je ne sais pas comme réalisateur, mais en tout cas comme personne qui dirige un étalonnage, ce qui le caractérise dans sa façon de diriger un étalonnage, c'est que c'est extrêmement agréable, c'est qu'il sait exactement qu'est-ce qu'il veut. Puis quand il voit une image, il sait tout de suite s'il aime ou s'il aime pas, puis bien souvent il sait exactement pourquoi il aime pas cette image-là. Fait que ça travaille très rapidement, très efficacement, très bien, puis il est aussi, c'est très audacieux ce qu'il veut souvent, tu sais, dans le cas de Mommy, en tout cas,
c'est très, très spécifique. T'sais. Fait que je sais que dans le cas de Mommy, par exemple, tu évoquais la scène où... J'ai juste le nom des comédiens, Antoine puis Suzanne, ou Steve, puis sa voisine, j'ai un blanc, qui est Suzanne Clément, puis Kyla. Ils se rejoignent dans le milieu de la rue. Depuis le début, il était décidé que ça allait être une heure bleue. On avait fait des tests aussi en amont, pour que ce soit vraiment comme la pénombre, là. Il y avait une panne d'électricité aussi dans le scénario à ce moment-là. Fait que c'était décidé depuis le début. On avait fait des tests sur la façon de le faire. Moi, je me souviens, j'avais été sur le tournage cette journée-là, puis on regardait l'image, puis je donnais un peu mon avis à André, bien qu'il n'y ait vraiment pas besoin de mon avis, sur peut-être que ce highlight-là, si on descend ce highlight-là, ce genre de truc-là, fait qu'on réfléchissait un peu à voix haute. Mais dans le cas précis de ça, c'était décidé en amont que c'est ce qu'on allait faire. Rendu à l'étalonnage, ben, on a quand même varié. C'est sûr qu'on a proposé une version plus bleue ou moins bleue, puis que Xavier a dû dire un peu plus, un peu plus. Fait qu'on n'a pas peaufiné cette approche-là, mais ça avait été dessiné en amont. Je me souviens, t'en as peut-être pas parlé, mais je me souviens qu'il y a une scène aussi où Dai est dans la salle de lavage, puis elle parle au téléphone avec son ancienne patronne, ou son ancienne voisine en fait, là. Puis il y a comme une fenêtre qui est très jaune. Ben ça, je me souviens qu'il y a un filtre dans cette fenêtre-là pour qu'elle soit très jaune, parce que c'est quelque chose qu'il voulait, tu sais. Il y a une autre scène aussi dans le film où Steve embrasse sa mère. Puis je me souviens que Xavier m'avait montré une référence aussi, on en a parlé aussi un peu plus tôt dans un de ses lookbooks, il m'avait montré une photo, c'est vraiment ça qu'on veut, tu sais. Puis ça faisait partie des éclairages tellement spécifiques qui avaient fait partie des tests caméra, tu sais. Fait que, il y a beaucoup de choses qui sont décidées en amont, c'est-à-dire que la direction est vraiment décidée, c'est vers ça qu'on veut aller, puis on essaie de le faire à la caméra le plus possible. Puis ensuite, c'est rendu à l'étalonnage, on va peaufiner, augmenter un peu, ou essayer de raffiner la proposition, tu sais. Mais dans le cas des collaborations que j'ai eues avec Xavier, c'est assez rare que des trucs spécifiques comme ça vont être décidés à l'étalonnage. Ils sont dessinés en amont. Ensuite de ça, à l'étalonnage, on va peaufiner la direction overall, on va décider de la direction overall, c'est quoi le bon niveau de lumière, le bon niveau de contraste, la bonne palette de couleurs et tout. On va la valider, puis on va la concrétiser à l'étalonnage. Mais dans le cas de Mommy, les trucs aussi spécifiques, il me semble, de mémoire, en tout cas, vont se décider au tournage. Peut-être, je viens de me rendre compte que tu parlais du bleu, peut-être que tu évoquais pas l'heure bleue, mais plutôt, parce qu'il y en a une autre dans le karaoké, où Steve est complètement bleu. Ça a été décidé aussi, ça a été décidé au tournage. Moi, l'image que j'ai obtenue à l'étalonnage était uniformément bleue comme ça. Fait qu'on a juste peaufiné pour dire c'est quoi le bon bleu? Est-ce que c'est comme ça s'intégrerait au niveau du contraste et tout? Mais ça avait été décidé. Et ça avait été décidé, mais ça avait été aussi fait à la prise de vue. C'est tout à fait. Oui, ça a été fait à la prise de vue. Parce que la scène dans le karaoké, elle est particulière, parce qu'en fait, il y a plein d'espaces de couleurs. Oui, il est sur une scène bleue, puis les autres ne le sont pas. Fait qu'on fait un champ contre champ de du complètement bleu à du pas de bleu du tout, tu sais. Oui, même parfois dans certains plans, il y a différentes zones, etc. Et ça a été aussi fait plutôt à la prise de vue. Oui, tout à fait. Parce que en fait, c'est que ce genre, techniquement, reproduire ce genre de truc-là à l'étalonnage, ce serait probablement assez difficile, puis ça serait juste vraiment moins bien réussi, parce que quand tu as une source de lumière bleue, ou enfin une source de couleur qui est une source de lumière qui est différente, dont la couleur est différente du reste, ben ça se répercute sur plein de choses, tu sais. Sur un rideau, s'il y a une ondulation, ben le côté clair, le côté sombre vont être différents. Fait que c'est le genre de trucs qui sont très, très, très difficiles de reproduire à l'étalonnage. Surtout que parce que cette couleur-là aussi va affecter en profondeur. C'est-à-dire que si tu as une personne qui passe devant, là, ça implique de découper tout ce personnage-là, faire la rotoscopie pour pas qu'elle soit affectée par la correction. Fait que généralement, ce genre de trucs-là vont être faits au tournage, à l'adaptation le plus possible. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, de toute manière, à tout le monde. Dans la majorité des cas, plus on peut faire de trucs à l'adaptation, mieux c'est. Parce que souvent, le résultat, c'est toujours un peu plus probable. Et justement, on parlait des scènes dans la buanderie, là, près de la machine à laver. En fait, on a deux, en fait, dans le film. Et il y en a une qui est dans les teintes jaune-verte, et il y en a une qui est plus dans les jaunes. Est-ce que justement, ça, c'est en fait un travail qui a été fait au moment de l'étalonnage, si tu te souviens, où vous vous êtes dit peut-être, bah, voilà, cette scène-là, oui, mais elle arrive à ce moment-là, Je me j'en souviens suis. plus. Non? Je me souviens plus qu'il y en avait deux. Je me souviens qu'il y en a une où ça parle parce qu'elle va avoir une job pour traduire un livre.
Et il y a une première, en fait, quand son fils vient d'arriver et qu'elle va mettre en route une machine et qu'elle se verse, en fait, un verre d'eau. Ouais, c'est ça, elle verse un peu d'alcool dans son drink, puis elle voit sa voisine. Exactement, ouais. Je me souviens pas. S'il y a une différence, je me souviens plus pourquoi. Peut-être parce que, tu sais, des fois, il s'agit que la lumière du jour ait un peu changé puis que c'est un peu une différence qu'on n'a pas nécessairement voulu le corriger. Peut-être que, dépendamment de ce qui vient avant ou après dans le film, il y en a une qui fonctionnait mieux que l'autre. Ça, je pourrais pas te répondre, malheureusement. Et j'ai remarqué aussi quelque chose. Enfin, j'ai eu l'impression de voir quelque chose dans le film. Quand je dois y avoir deux ou trois scènes, en fait, où les deux mères se retrouvent seules et puis se confient. Donc plutôt en fin de soirée. Et j'ai eu l'impression, en fait, qu'il y avait une évolution au fil, en fait, de chaque scène, en fait, de chacune des scènes, où elles sont dans quelque chose d'assez froid au départ, et ça se réchauffe, en fait, progressivement. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Je ne sais pas si ça se fait consciemment ou instinctivement. Je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a une scène qui est peut-être la plus belle scène aussi, là, visuellement, moi, je trouve, qui est dans le... que j'aime beaucoup en tout cas, qui est, où ils sont complètement seuls tous les deux, puis ils sont dans la véranda. Comme. Il y en a une qui est à la toute fin complètement. C'est sûr que, ben, moi, tu vois, c'est comme ça, instinctivement, je les ai amenées là où elles étaient. C'est sûr que Xavier et André ont... En fait, la deuxième, c'est laquelle? Il y a celle-là. Il y a celle dans la véranda qui est de nuit, donc nécessairement est un peu plus froide. Oui, et il y en a une, je pense que c'est en intérieur où elle se retrouve seule à un moment donné à table. Alors, est-ce que Steve va revenir ou pas? Je ne me souviens plus, mais elles se retrouvent toutes les deux. Ou peut-être autour du bar. Je ne sais pas s'il y avait pris en considération la notion d'évolution ou plutôt qu'ils ont, juste désigné la lumière pour qu'elle corresponde à l'ambiance de chaque moment aussi. Je ne sais pas si le fait qu'il y en a une qui soit plus bleue, une qui soit plus blanche de mémoire, puis une qui soit plus chaude. C'est plus cette idée en fait, qu'il y a une évolution à l'intérieur de la scène. C'est-à-dire qu'au début de la scène, elles sont. Par exemple, on prend la scène de la véranda, j'ai l'impression qu'au début de la scène, les couleurs sont plus froides. Et qu'il y a un reflet un petit peu rose, alors qu'elles sont dans le bleu, il y a un reflet un peu rose sur leur visage. Et que ça s'accentue en fait, au fur et à mesure qu'elles échangent. Mais, ah, c'est intéressant, mais je pense que c'est... Je sais pas... En tout cas, assurément, je pense pas que ce soit intentionnel. Je me souviens que dans cette scène-là, elle avait été tournée... Tu sais, des fois aussi, il y a un truc qui donne cette perception-là. Peut-être que vraiment, là, on a deux plans identiques, puis qu'il y a une évolution, mais là, je t'avoue que j'ai un peu oublié. Ça fait quand même un moment. Je réfléchis à voix haute. Je sais que des fois, dans un plan, il peut y avoir comme plus de bleu. Mais en fait, c'est pas... Je réfléchis, puis... Il me semble qu'il y a effectivement une progression dans cette scène-là pour qu'on passe vraiment plus de l'heure bleue, puis que le temps passe, puis qu'à la fin de la scène, c'est comme si le soleil s'était complètement couché, il me semble. Mais je me souviens plus très bien, ça fait trop longtemps. Mais il me semble qu'effectivement, il y a une évolution dans cette scène-là, juste pour faire passer le temps, puis que la lumière, il me semble que le bleu diminue. Je ne suis pas sûr que le rose augmente, je pense que c'est plutôt que le bleu diminue, tu sais. D'accord. De mémoire, mais je peux me tromper, je me souviens pas, mais c'est intéressant comme observation. Après, je le revois, ça fait longtemps que je l'ai vu le film. André Turpin, dans un entretien, parle de références, enfin, parmi les références de Scorsese, donc effectivement, qui a beaucoup travaillé avec Michael Ballhaus, donc avec des lumières colorées, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu te souviens d'autres références qui avaient servi spécifiquement pour Mommy? C'est drôle, moi je me souviens pas qui a évoqué les films de Scorsese. Je vois des parallèles. J'en ai une que je me souviens qu'il m'avait parlé, Xavier, du film de Soderbergh sur... il me semble que c'est Soderbergh, Behind the Candelabra, le film sur... voyons, le chanteur qui était à Vegas. J'ai un blanc de mémoire, je vais le noter puis on va le retrouver. On l'a retrouvé tantôt. Pendant qu'on parle, je vais le noter ici. Liberace. Merci. Je me souviens qu'il avait évoqué ça pour la chaleur. Un des trucs qu'il avait dit, je me souviens pas qu'il avait parlé de Scorsese ou de... Mais je me souviens vraiment qu'il avait parlé qu'il voulait justement avoir beaucoup de couleurs. Il voulait vraiment avoir une chaleur qui était vraiment très, très enveloppante. Quelque chose de très californien aussi. Je
me souviens donc de ce film-là de Soderbergh sur Liberace, il me semble que c'est Soderbergh, mais c'est pas si je me souviens pas. Mais ça m'étonne pas parce que c'est vraiment dans son genre, tu sais, de référence, il me semble, pour vous aviez. Et là, pour juste la fin du monde, est-ce que tu as des références en tête, enfin, comme c'est le dernier film sur lequel tu as travaillé, quelles étaient les références pour ce film? Et quelles étaient les directives? On avait parlé, ben, tu sais, sauf que c'est un huis clos, il y a une seule location. On voulait quelque chose qui était très humain, plus proche du monde, moins, un peu moins, tu sais, on est moins dans l'exubérance. On est dans cette maison européenne avec un style un peu des années 90. Fait que la palette de couleurs a tourné beaucoup autour de ça. Pas des années, c'est-à-dire qu'il a été décoré plutôt dans les années, avec une décoration qui date un peu des années fin 80, milieu 80. Ben pas nécessairement l'histoire du récit, là, mais donc on a joué beaucoup autour de cette palette-là. Ensuite de ça, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de close-up, fait qu'on voulait toujours garder des skin tones qui sont beaux, qui sont nets. Ensuite de ça, ben, il y a des moments spécifiques dans le film où là, il y a quelque chose qui est un peu plus explosif, qui est plus un peu dans ce qu'on a vu dans Mummy, où tu as des couleurs qui sont plus vives. Qui évoque juste complètement autre chose, tu sais, puis en procédant comme ça, ça fait aussi que ça crée un contraste justement entre les deux univers, tu sais, un qui est beaucoup plus normal, puis l'autre qui est beaucoup plus éclaté, tu sais, mais au final, ça donne une palette de couleurs qui est très, il y a beaucoup de brun, il y a beaucoup de bleu, mais pas très saturé, pas très froid, ça donne quelque chose qui a une certaine neutralité dans tout ça. Puis ça fait en sorte que des fois, quand tu as de la chaleur qui arrive dans l'image, ben tout d'un coup, ça devient comme complètement autre chose, tu sais. Puis ça fait vraiment... En fait, c'est vraiment jouer avec l'étalonnage d'une manière très différente de Mummy. C'est-à-dire que dans Mummy, on était souvent... C'est-à-dire qu'on était très... on avait souvent le même ton. C'est-à-dire qu'on était comme toujours dans l'extrême, tu sais. Alors que là, au contraire, on joue sur... conserver quelque chose qui a une certaine neutralité pour que quand on va dans l'extrême, ça évoque quelque chose d'autre. Puis quand on y revient également, tu sais, fait que ça crée des sauts, tu sais, fait que contrairement à Mummy qui était plus monotone, tout en ayant des teintes qui sont complètement différents, mais il y avait comme un fil conducteur qui était très fort sur tout le film où c'était toujours très intense, ben là, on joue dans quelque chose qui est très différent, où c'est-à-dire qu'on crée beaucoup de contrastes puis des fluctuations dans l'intensité. Fait que c'était un des trucs qui a été abordé, tu sais. Puis après ça, ben, un des trucs aussi, on avait parlé chez ça que Xavier voulait quelque chose qui était très sombre, très intime, tu sais. Puis on était aussi dans quelque chose qui était un peu, qui donne quelque chose, moi je trouve, en tout cas c'est ma propre interprétation, mais qui donne quelque chose qui est un peu inconfortable, tu sais. C'est un peu, moi en tout cas, encore une fois, c'est mon interprétation, mais c'est comme ça que je le ressens. Je trouve qu'on ressent un peu l'inconfort du personnage. C'est très accentué au début du film, c'est plus marqué qu'ailleurs dans le film. Ça vient vraiment, ça crée une espèce de froideur, il y a quelque chose de très froid, de très sombre qui fait qu'on vit un peu l'inconfort avec le personnage. Puis tranquillement, pas vite, ça se place dans le film. Mais ça reste, c'est toujours assez subtil, tu sais. Je pense que c'est un peu c'est dans les choses qui avaient été évoquées. Je me souviens pas qu'il y ait eu de référence comme spécifique à quelque chose. Peut-être qu'il y en a eu puis que ça m'échappe là. Peut-être que c'est ça, s'il y en a eu, mais que ça m'échappe pour le moment. Mais je me souviens plus qu'il y a eu des références visuelles spécifiques. Je sais que pour lui, je pense qu'il l'a fait. J'en ai parlé tantôt. Il a fait un book. Mais moi, il ne me l'a pas montré, tu sais, j'ai comme pas eu besoin de le voir, tu sais, parce que je pense qu'il arrive à bien communiquer ce qu'il veut, puis André le sait aussi, fait que finalement, en gros, on n'a pas besoin nécessairement de parler nécessairement de références spécifiques, mais on parle plutôt de ce qu'il y a à l'écran, puis de comment on veut amener ça ailleurs, tu sais. Et tous les trois, avec, je crois que c'est Turpin aussi qui avait fait la photo, et donc Dolan, vous avez aussi fait le clip d'Adèle. En fait, oui. Donc là, en fait, les références, c'était ces photos oui. Dans ce 19e, cas-ci... début 20e, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Puis dans ce cas-là, là, on avait vraiment une référence précise où Xavier avait une série de photos en disant « c'est vraiment ça que je cherche ».
Pour lui, ça évoquait vraiment la nostalgie. C'était vraiment comme, c'était vraiment, ça créait vraiment une image forte, une image marquée, mais qui évoquait surtout la nostalgie, qui est le sentiment qu'il cherchait à dégager du clip. Ensuite de ça, bon, dans la façon de le faire, au niveau de la teinte comme telle, qui est très caractéristique, là, cette espèce de sépia un peu comme jaune-vert, là. Le plus dur, c'est pas de faire la teinte, c'est de trouver la bonne teinte. Fait que là, ça, on a essayé une des fois une couple de trucs, on a fait un peu des tests de compression, voir comment ça se fait dans différents environnements pour dire que c'est vraiment c'est la bonne approche. Puis ensuite de ça, ben, c'est toute la notion qui est un peu occultée, c'est qu'il y a quand même eu une grosse partie de travail qui a été faite pour ce qui est du noir et blanc comme tel, le bon niveau de contraste, comment est-ce qu'on ressort cette espèce de côté un peu. Il y a une technique que j'ai un peu utilisée là, pour jouer avec les channels de couleurs pour vraiment ressortir un contraste un peu dans ben, un peu comment dire, un peu vieillot, tu sais, dans l'image. Quand on enlevait le noir et blanc, ça donnait une image qui était très proche un peu du Technicolor là, de l'époque, dans le contraste, dans ce que ça donnait, beaucoup à cause du make-up, à cause d'image, à cause des lentilles, à cause de la façon de tourner. Puis là, en fait, en désaturant, en donnant la bonne teinte, ça créait comme un tout, tu sais, qui était vraiment, je pense, ces espèces d'images-là nostalgiques, tu l'as dit, qui évoquent vraiment un peu ces photos-là du début de la photographie, dans le fond. Et ça a été tourné du coup sur votre pellicule couleur. D'accord. Parce que une des choses en fait qui est propre à Dolan, c'est qu'il veut continuer en fait à travailler sur votre pellicule. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et donc du coup c'est Metz en fait qui s'occupe en fait de toute la filière. Exact. Est-ce que du coup, le fait de passer à l'étalonnage numérique, est-ce qu'il y a l'idée en fait de ne pas sortir de ce que pourrait faire la courbe d'une pellicule argentique, c'est-à-dire entre guillemets imposer en fait un look film ou une lutte film, à l'image en fait pour du coup ne pas sortir dans ce que pourrait faire une pellicule. Je sais pas si je suis très claire. Ben en fait, moi ce que je Je ne vais pas parler pour lui, mais ce que je pense, c'est que à ce jour, moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur médium que la pellicule. Ça reste, à mon avis, le meilleur médium d'acquisition. Il y a assurément des forces, pour ce qui est, par exemple, des images de nuit ou ce genre de trucs-là dans les captations numériques, mais pour moi, ça reste vraiment mon médium préféré. Je trouve que c'est ce qui donne les plus belles images. Mais aussi, puis c'est un des trucs qui ressort souvent dans les discussions qu'on a par rapport à la pellicule avec Xavier, c'est qu'au niveau de l'histoire, il y a quelque chose qui est tellement plus vivant à l'image. Dans le cas du dernier film, ça a été capté en pellicule, puis on a fait une sortie en numérique, mais on a également fait une sortie en pellicule. Fait qu'il existe donc une copie 35, d'ailleurs c'est ce qui a été projeté à Cannes, la copie 35, puis ça offre quelque chose qui est juste complètement différent, puis qui a des avantages, qui a des désavantages, mais pour ayant moi-même eu des doutes sur pas la pertinence, mais sur le résultat de l'étalonnage en pellicule, quand on voit les deux, force est d'admettre qu'à l'écran, il y a incroyablement plus de vie. T'sais, il y a quelque chose qui bouge tellement plus, qui est plus, beaucoup plus sensoriel, tu sais. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont défendre le film en utilisant un peu l'argument justement de la nostalgie, puis des sens, puis de tout ça. Puis, je trouve que, enfin, sans vouloir discréditer ces arguments-là, pour moi, le débat entre le numérique et la pellicule reste bien simple. C'est, à mon avis, le numérique produit des images qui sont, c'est-à-dire la pellicule produit des images qui sont vraiment plus belles. Plus beau skin tone, quelque chose de plus juste, un contraste qui. Faut pas mélanger la résolution puis la définition. T'as beau avoir une image en 12 000 K, si la définition dans l'image n'y est pas, ben ça marche pas, tu sais. Puis il y a une définition dans l'image hein, qui est captée, qui moi, enfin moi j'ai jamais vu personne réussir à reproduire ça avec une image en numérique. Enfin, le rendu, ça devient subjectif, qui n'est pas nécessairement meilleure ou moins bonne, mais qui est juste
fondamentalement différente. Puis, à mon avis, il n'y a pas de manière de tourner en numérique puis de vraiment trafiquer ça pour qu'on puisse dire hey, « c'est, ça a vraiment l'air de du film. » Moi, je pense que je le vois tout le temps. T'sais. En fait, c'est pas arrivé souvent que je regarde quelque chose puis que je dise « oh wow, c'est vraiment du beau 35 » puis que je me trompe. Par contre, c'est souvent arrivé que je regarde une image puis que je me dise « wow, ça c'est vraiment beau, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de bien avec cette image-là » en pensant que c'est du numérique, puis finalement je me rends compte que c'est du film. Mais l'inverse est plutôt rare. Il existe plein de techniques et plein d'approches pour prendre du numérique puis essayer de faire en sorte que ça reproduise du film, mais à ce moment-là, pourquoi tu ne tournes pas en film, tu sais? On peut prendre des images en numérique, rajouter du grain, on le fait souvent, puis ça apporte vraiment quelque chose, du mouvement, ça apporte de la vie, ça donne une espèce de sharpness, ça apporte vraiment quelque chose, mais c'est pas que ça. Il y a vraiment dans la captation des couleurs, dans la façon de réagir de la pellicule qui est vraiment unique à ce médium-là, puis qui est très dur à reproduire. Puis en bout de ligne, je suis convaincu que... Enfin, c'est mon opinion, puis je veux pas parler pour lui, mais je suis convaincu que dans le cas de Xavier, il y a aussi qu'il trouve que ses images sont vraiment plus belles en pellicule, puis il pense que c'est un bien meilleur médium pour raconter ses histoires. Puis, encore une fois, je veux pas parler pour lui, mais si... Mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Il y a un autre film aussi dont je voulais parler, c'est Tudor Nicole, de La Fleur. Donc ça, c'était tourné aussi sur pellicule? Oui. En noir et blanc ou couleur? C'était tourné en pellicule couleur. Je pense que c'est assez difficile de mettre la main sur la pellicule couleur, en noir et blanc, puis tout le processus de développement. Fait que dans ce cas-ci, ça a été tourné en pellicule couleur. Comme pour Adèle, puis comme pour... Indochine aussi, le clip d'Indochine, ça avait été tourné en 35 mm, mais en noir et blanc, en couleur. Et là, le choix du noir et blanc pour Tudor Nicole, il a été... Quand est-ce que c'est venu, en fait? C'était déjà là avant? Attends, excuse-moi. Je me souviens plus si Indochine, ça avait été tourné en couleur ou en noir et blanc. Je sais que ça a été tourné en pellicule, mais je me souviens plus si ça avait été directement tourné en pellicule noir et blanc. Je pense pas, mais je peux me tromper. Ouais. En tout cas, excuse-moi. Du coup, tu sais pas, en fait. Quand est-ce que, du coup, si c'était en noir et blanc, c'était le départ, mais si c'était en couleur, le moment de passer en noir et blanc? Généralement, moi, je le fais à la toute fin parce que ça donne un outil supplémentaire. Le fait d'avoir la couleur, des fois, quand tu changes les couleurs, quand tu joues avec les couleurs, ça fait réagir le contraste différemment. Un peu comme, par exemple, quand on prend de la photo argentique avec un appareil photo puis qu'on met des filtres rouges en noir et blanc, mais ça va changer complètement le contraste. C'est un peu la même approche. Quand tu viens trafiquer les couleurs, ça peut donner un contraste qui est très différent. Fait que généralement, la désaturation va se faire à la toute fin. Mais pas à la toute fin, en fait. C'est-à-dire à la toute fin du pipeline, mais à l'écran, on voit toujours une image désaturée. Ça, c'est juste pour être clair. Fait qu'on va toujours, du début à la fin du processus, voir une image qui est en noir et blanc, mais sur le plan technique, ça se fait à la fin pour pouvoir jouer avec la couleur pour donner un contraste différent. Puis dans le cas d'Adèle, par exemple, là, ça a été dans, toujours techniquement parlant dans le workflow, ça s'est désaturé à la toute fin, mais par après, on vient ajuster la teinte là, pour aller chercher la couleur spécifique qu'on cherchait dans ce cas-ci. D'accord. Et alors, pour Tudor Nicole, alors comment ça s'est passé, en fait, du coup, c'est avec Sarah Michara, la collaboration, les demandes, etc. C'est quand même un film qui est très particulier, en fait, au niveau de l'image. Est-ce que tu as des souvenirs? Oui, en fait, Sarah, c'est une directeur photo, une autre directeur photo d'incroyable talent, avec qui je suis super chanceux de travailler, vraiment. Puis, dans le fond, on a travaillé beaucoup en pub, puis je me sens qu'on a fait Tudor Nicole avant Félix et Meyra. Par rapport aux dates de sortie, mais au moment de l'étalonnage aussi, il me semble. Mais fait que ça serait probablement, ça doit donc être notre première collaboration pour un long métrage. Je me suis dit qu'on avait fait des tests, qu'on avait trouvé c'est quoi le bon contraste du noir et blanc aussi, puis que assez tôt, on a commencé, on est allé dans une direction, puis assez tôt, on s'est rendu compte qu'on cherchait à avoir un noir et blanc qui était beaucoup plus doux, une image qui était finalement très soft, puis en fait, c'est qu'en le testant, on s'est rendu compte que ça évoquait beaucoup plus l'été puis la chaleur. Bizarrement, quand on avait une image qui était très dure, très contrastée, on ressentait moins la chaleur de l'été que quand on avait une image qui était très soft, très douce.
Fait que finalement, c'est la voie qu'on a empruntée pour, c'est ça, avoir des noirs qui étaient très laiteux, très doux, mais quand même un bon contraste, puis l'image, elle est comme, tu sais, de la gueule, ça, c'est pas comme ennuyeux puis plate, mais ça, une certaine douceur dans l'image. Je me souviens qu'on avait vraiment évoqué ça pour la évoquer l'été. Je vais juste fermer ça. Pas la descendre, donc on va la laisser sonner. Je vais passer ma chaise pour pouvoir faire ton plan. Dans Tudor Nicole, effectivement, il y a les plans extérieurs qui sont très, effectivement, très lumineux, très doux, etc. Mais il y a quand même aussi beaucoup de plans nocturnes où les noirs sont extrêmement denses. Enfin, ils sont très denses parce que ce ne sont pas des nuits qui sont nécessairement éclairées, mais il reste que d'un point de vue d'étalonnage, ça reste qu'il y a une certaine douceur dans ces noirs-là, tu sais. Ils sont pas, c'est vraiment, enfin, ça dépend du contexte de visionnement, évidemment, là, mais à l'origine, ils sont très doux, tu sais. Mais il y a beaucoup de noirs à l'image, parce que c'est pas des nuits qui sont très éclairées, dans certains cas, tu sais. Ça répond à ta question? Oui, un petit peu, oui. Est-ce que, du coup, vous aviez discuté un petit peu sur certains plans, jusqu'où aller dans le noir et dans ne pas donner des informations, parce que, alors, effectivement, ça dépend des conditions de projection. Je l'ai vu avec un DVD, donc sur un écran. Mm-hmm. Mais du coup, il y a vraiment des scènes où, en fait, on a vraiment des toutes petites parcelles, des toutes petites parties de l'image où on a des informations. Et on a ce noir qui est assez angoissant, enfin, assez inquiétant. Est-ce que... Ben, je pense, je ne sais pas auquel scène tu penses spécifiquement. Je sais qu'il y a une scène, par exemple, où... le personnage de son frère, du frère de Nicole, va fumer une cigarette, puis il va chercher un cricket, puis là, il disparaît complètement dans la lumière. T'sais. Fait que ça, c'est, évidemment, c'est complètement intentionnel, là, de le faire complètement disparaître, puis revenir juste avec sa cigarette. As-tu des scènes en particulier en tête? Oui, ben, les scènes où elle essaie de dormir, par exemple, oui. Elle est entourée un petit peu comme ça. Ouais, c'est ça. Des ombres qui... Ouais, c'est ça. Ben, c'est des scènes où je pense qu'on voulait, je pense qu'on cherchait vraiment à évoquer comme la nuit, comme en pleine nuit, tu sais. On cherchait pas nécessairement à avoir des trucs qui sont trop... trop à l'américaine ou trop high-key, tu sais, trop brillance, tu sais. Puis, je me souviens que, maintenant qu'on en parle, je me souviens qu'il y avait eu un questionnement aussi sur comment, quand on n'a pas de couleur, c'est quand même un défi, comment évoquer, quelle est la différence entre la nuit, puis l'aube, puis le jour, tu sais. Mais surtout entre la nuit puis l'aube, tu sais, parce qu'il fait noir. Fait que, dans le fond, on a décidé que les nuits seraient un peu plus sombres, un peu plus contrastées, puis que l'aube serait juste un peu plus doux, tu sais. Pour essayer de créer une distinction. Fait que c'est ça, le film commence, puis c'est plus à l'aube, tu sais. Fait qu'on voulait que ce soit doux, mais on voulait que ce soit sombre, on voulait pas nécessairement trop révéler. Puis il faut surtout qu'on sente que c'est la nuit, parce que quand il n'y a pas de couleur, on veut pas qu'il y ait l'air d'être 10h du matin, tu sais. Fait que des fois, il faut beaucoup jouer sur le niveau de lumière pour évoquer la bonne heure du jour. Et est-ce que tu te souviens de références en cinéma ou en photo qui vous avait aidé un petit peu à... Je me souviens que Sarah avait une référence d'un photographe, un photographe d'art, puis avec un book en particulier qui s'appelait Summertime. Je me souviens plus c'est qui le photographe. Je pourrais le retrouver puis te l'envoyer, là, mais qui était justement... tu sais, parce que c'est beaucoup ça l'été. Dans ce film-là, tu sais, qui est évoqué, fait que le livre, c'était de la photo noir et blanc avec une super belle photo, tu sais, mais qui avait comme gardé une certaine douceur dans l'image, tu sais. Des blancs qui sont ramés, qui sont rarement des blancs, qui sont très éclatants, très blancs, qui sont très agressants, toujours quelque chose de crémeux à l'image, tu sais. Fait que je me souviens qu'il y avait, c'était vraiment une des références, là, peut-être une des seules références qu'on avait eues d'emblée. Mais on ne s'est pas beaucoup référé nécessairement à d'autres films ou à d'autres projets. D'accord. Alors, je vois un petit peu. Est-ce que pas, enfin, je retourne au côté sombre, hein, mais est-ce que, parce que ça m'a fait penser un petit peu, alors c'est un peu basique et un peu lambda de dire ça, mais ça m'a quand même un petit peu fait penser un peu à l'univers de Lynch, dans le sens où des fois t'as comme ça des sortes de trous noirs, ouais, avec une sorte de quotidien, ben, avec un tout petit décalage. Beaucoup Gordon Willis aussi, là, je pense, qui est un directeur photo qui est absolument hallucinant, qui est très. Que Sarah, puis tout le monde, en fait. Beaucoup de gens en cinéma admirent énormément. Puis, je pense qu'elle, son imagerie aussi, elle joue beaucoup dans le côté sombre, tu sais, qui n'est pas trop éclairé, tu sais.
Puis je pense qu'elle s'inspire beaucoup de ce directeur photo-là, de Harris Abidès aussi. Fait que ça fait beaucoup partie de son imagerie à elle. Puis indirectement aussi, c'est ce que les réalisateurs lui demandent, t'sais, créer ce genre d'ambiance-là. Oui. Et j'avais une autre question, mais qui rejoint en fait bah, à la fois Noir et puis Guibord s'en va en guerre. C'est un peu la question en fait du rendu en fait de la couleur de la peau, et notamment quand on a dans un même plan deux peaux, alors soit de couleurs très différentes, de températures de couleurs très différentes. Est-ce que, bah, par exemple, pour Guibord s'en va en guerre, où effectivement on a une peau beaucoup plus blanche et une peau beaucoup plus sombre dans les mêmes plans, est-ce que du coup là on fait, en fait, t'as fait des masques, est-ce que c'est quelque chose de... Dans le cas du personnage d'Irdens, il y a une peau qui est très réfléchissante d'Irdens. Donc, ça fait en sorte que c'est toujours des peaux qui sont très lumineuses finalement. Même si la peau noire est toujours luisante, est toujours lumineuse, t'sais. Il y a vraiment un visage qui s'éclaire aussi, là, t'sais, ça aide beaucoup. Fait que c'est toujours assez agréable d'avoir des peaux comme ça, parce que en étant très réfléchissant, ils deviennent toujours très colorés, ils prennent toujours bien la lumière. On voit bien dans le noir aussi, les peaux deviennent très très souvent très colorées, t'sais, les peaux noires. Puis des peaux blanches ont toujours plus à l'année, c'est toujours comme ça, parce que nos peaux vont toujours prendre toutes sortes de nuances différentes. Dès qu'on franchit le cap du 40 ans aussi, les peaux sont toujours plus foncées, sont toujours un peu plus denses, c'est toujours quelque chose qui, en numérique aussi, va donner quelque chose qui est plus brun ou plus orangé. Fait qu'il faut toujours un peu faire attention à ça. Contrairement à des peaux plus jeunes, à 20 ans, on a tous des peaux blanches pâles, tu sais, beaucoup plus douces. Mais ça fait en sorte que faut toujours un peu réajuster les peaux blanches, mais pas nécessairement en rapport aux peaux noires. Moi, je pense que les deux peuvent cohabiter dans un plan, puis ça pose pas nécessairement de problème. Des fois, on va vouloir rehausser un visage trop sombre, mais ça peut pas nécessairement avoir avec nécessairement la teinte de la peau qui. Parce que souvent, ils vont compenser à l'éclairage, tu sais. C'est peut-être plus une question pour Ronald, le directeur photo, parce que visiblement, il a fait un très bon travail, parce que de manière générale, ça sort assez bien, puis on n'a jamais vraiment eu de problème où on perd du détail dans sa peau, mais principalement parce que c'est très réfléchissant, tu sais. Dans le cas de Noir, ben, c'est sûr que en plus, c'est un film qui est très sombre, tu sais. Il y a quelque chose de très étouffant dans ce film-là. C'est un peu ce qu'on. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'intellectualise, mais c'est comme. Le film se déroule à Montréal, dans des quartiers montréalais, avec des Montréalais, mais qu'on semble ne jamais vraiment voir, tu sais. Fait qu'ils sont. Cette communauté-là vit à côté de nous, mais on les voit pas. Fait que c'est un peu ce que. On retrouve un peu ça dans l'étalonnage, c'est que l'image est pas. Il fait pas très noir, tu sais. Il fait pas très noir, c'est juste quelque chose de très étouffé dans l'image. C'est comme si l'image est là, on dirait qu'on voit pas quand même, tu sais. Fait que ça donne une image qui est très sombre, qui a été très aimée ou détestée aussi, là. Encore une fois, le fait qu'on ait une variété quand même assez large de peau dans tout ça, parce qu'il y a des personnages de plein d'origines, plus moyen-orientale, plus genre haïtienne ou africaine ou occidentale, tu sais, t'as vraiment plein de teintes de peau différents. Je me souviens pas que ça a vraiment été un problème. Ça devient un problème pour un client qui a un problème avec ça. Parce que dans les faits, on a tous des teintes de peau différents, puis il n'est pas nécessairement souhaitable que trois personnes avec la peau blanche dans un même plan aient trois peaux de teintes différentes. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus ça le problème que d'avoir une personne qui a une peau blanche et une personne qui a une peau noire, parce que là, on accepte qu'il y a une différence. Mais quand on a quatre personnes dans un plan et qui ont quatre teintes de peau différentes, il y a des gens que ça va déranger, qui vont dire, ben, il me semble que lui, il est plus vert, ou il est plus ci, ben oui, mais il est comme ça, tu sais, il est plus foncé, ben, il est plus bronzé, là, tu sais, c'est comme ça, tu sais, on a tous des teintes de peau différentes. Fait que là, ça devient un problème quand c'est un problème, tu sais, quand quelqu'un le soulève, tu sais, parce que dans les faits, c'est juste une représentation de la réalité, tu sais. Oui, mais par exemple, moi je sais qu'en étalonnage photochimique, la peau servait de point d'étalonnage, et donc on ne pouvait pas faire de masque, etc. Est-ce que la peau d'un comédien sert toujours en fait de référence? Et dans ce cas-là, en fait, qui on choisit quand on a plusieurs températures de couleur?
Donc un comédien homme, par exemple, avec la peau très rouge, et puis une comédienne juste à côté avec la peau très blanche. Comment dire? Pour moi, ce n'est pas nécessairement le point de référence. D'accord. Il y a toujours une ligne directrice où on sait que le skin tone, généralement, se situe dans ces eaux-là. Mais dépendamment de ce qu'on fait, c'est sûr que dans le cas d'une, mettons, d'une publicité pour du cosmétique, ben là, il y a quand même une case qui n'est pas très grande, il faut que la peau rentre là-dedans, tu sais. Mais dans le cas d'une fiction, ben, il n'y a pas nécessairement de... Il n'y a pas de vérité, tu sais. Encore une fois, je me répète, mais on a tous des teints de peau différents, puis on n'ajuste pas nécessairement en fonction des teints de peau. Je dirais, moi, j'ajuste plutôt en fonction de l'ambiance de la scène, puis de la température, de la couleur de la lumière qui va l'éclairer, que ce soit la lumière du jour ou de la lumière artificielle. C'est quoi la lumière, la couleur de cette lumière-là? C'est vraiment plus ça qui va déterminer la couleur de la peau, tu sais. Rendu là, ben on sait encore une fois qu'un personnage, par exemple, autour d'une table d'un père peut avoir une peau plus foncée, plus rougeâtre, plus rouge, plus dense, parce que simplement plus vieille, tu sais. Puis les enfants vont avoir une peau beaucoup plus pâle, souvent beaucoup plus nette, beaucoup plus pure, entre guillemets. Laquelle des deux est la bonne? Ben, en réalité, il n'y en a pas vraiment de bonne. Faut juste, encore une fois, accepter le fait qu'ils sont différents. Fait que, moi, j'ajuste plus. T'sais, on va ajuster dans une optique où on veut que ce soit vraiment comme ajusté parfait, là. On va, disons, juste ajuster, mettons, la teinte de noir, ajuster la teinte de blanc, s'assurer que ce soit comme ce qu'on souhaite avoir. Puis après ça, ben, en théorie, la peau devrait être. On n'a pas nécessairement besoin de faire un ajustement spécifique à la peau. Elle devrait juste tomber en place, en théorie. T'sais. Alors je vois que le temps file. J'avais quand même encore une ou deux questions. La première question, c'est, tu as parlé tout à l'heure en fait du fait que tu avais dû te former à Baselite, c'est ça, de manière un petit peu rapide. Comment tu fais pour du coup te former aussi aux caméras numériques, où il y a beaucoup de nouvelles caméras qui sortent, etc. J'imagine que du coup ça change aussi la manière dont tu vas traiter les, enfin, on ne traite pas forcément de la même manière les images qui sortent d'une RED, d'une Alexa, d'une Arri, etc. Comment tu fais toi pour te former? Est-ce que c'est parce qu'en pratiquant et du coup en essayant comme avec la Baselite, est-ce que tu suis aussi des sessions de formation continue ou... Ben, c'est très différent dans le cas. C'est-à-dire que le problème que pose. Le problème, c'est-à-dire d'étalonner une image d'une caméra puis d'une autre caméra, c'est un problème X. Puis étalonner sur une plateforme ou une autre, c'est un tout autre problème, à mon avis. C'est sûr que c'est vraiment mon outil de travail. Fait que le défi est beaucoup plus grand, changer de plateforme d'étalonnage, que d'étalonner une nouvelle caméra. Dans les faits, étant donné que les outils demeurent tous les mêmes et que les références demeurent les mêmes, étalonner une nouvelle caméra, ce n'est pas nécessairement un défi. Par contre, dans le Baselite, par exemple, il y a une gestion de l'espace couleur ou enfin une gestion de ce qu'on appelle une color science là, qui est très, très, très étoffée, puis qu'il faut adapter à chacune des caméras. Mais généralement, les informations vont nous être fournies par des fabricants. Puis il s'agit juste de donner les bonnes indications puis de mettre ce qu'on appelle les bons flags, là. Mais dans les faits, ça n'a pas nécessairement une incidence sur la façon de l'étalonner. Après ça, ben, c'est sûr qu'il y a des techniques qui sont préférables sur une caméra ou sur l'autre, mais c'est sûr que c'est le genre d'affaires que tu apprends en travaillant puis que tu découvres en travaillant, en fait, puis que tu bonifies constamment, tu sais. J'ai beau connaître la RED depuis 10 ans, ben, je découvre encore toujours des nouvelles façons de la travailler. Puis ces façons-là ne sont pas nécessairement différentes, par exemple, d'une Alexa, qui sont peut-être les deux caméras numériques les plus répandues. Je dirais ça pour ça. Puis ensuite, ça, au niveau de la formation continue, mais c'est sûr que nous, il y a toute une équipe ici. On se tient toujours tous informés sur ce que chacun va découvrir sur chacune des caméras. Sur la meilleure façon de les gérer aussi au niveau de l'espace couleur, au niveau des courbes de couleurs, des environnements de couleurs de chacune des caméras. Fait que ça, nous, c'est sûr qu'on se tient informé au niveau de l'entreprise. Mais c'est pas très difficile d'entamer un nouveau projet sur une nouvelle caméra.
C'est plus des fois, en tout cas sur le plan strictement créatif d'étalonnage, c'est plus des fois, ben, il y a une nouvelle caméra qui va soulever des problèmes dans les endroits spécifiques de l'image. Par exemple, dans des trucs extrêmes, mettons des gyrophares de police, on a un rouge qui est très 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 fort, ben là, oups, il est bizarre, ça crée un petit problème. T'sais. C'est plus des genres de petits trucs techniques là, qu'on pourrait découvrir en cours de route qui là posent un problème qui nécessiterait de trouver une solution. T'sais. Mais du point de vue strictement créatif, c'est quoi l'ambiance à trouver, comment on, t'sais, rehausser, améliorer l'image, comment est-ce qu'on peut orienter le regard, comment est-ce qu'on peut construire. Juste comme rehausser les effets de lumière et tout ça. D'une caméra à l'autre, d'un médium à l'autre, ça ne change pas tellement. D'accord. Alors du coup, deux dernières questions. Je t'en prie, on n'est pas si pressé. D'abord, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les autres étalonneurs en fait, de Metz aujourd'hui et du coup, combien il y a de studios et sur quoi ils travaillent, un petit peu pour avoir un peu une idée de ça? En publicité, on a la plateforme d'étalonnage qui est ici principalement. Maintenant, dans les shops Angus, on vient tout juste de déménager un local qui était dans le Vieux-Montréal qui est maintenant aménagé dans les shops Angus. On a deux salles de travail qui étaient attitrées, qui sont attitrées, disons, pour le... principalement pour le long métrage, dans lequel on fait aussi la fiction, la série télé en fait. On a maintenant une salle qui était anciennement dans le Vieux-Montréal, qui est rendue là-bas, qui sert principalement à faire de la série télé. Ces salles-là, les trois salles de travail sont sur un base light. Il y a aussi une petite salle pour les techniciens qu'on appelle le base light tech, ça va faire toute la manipulation qui entoure le processus. On a une grande salle de cinéma d'approbation dans laquelle on peut venir patcher la baseline dans cette salle-là, fait qu'on pourrait également travailler dans cette salle-là. Ça, c'est pour nos installations des Shopping Gus. On a aussi un Resolve qui peut être utilisé, qui est utilisé pour un projet de film, qui a été utilisé pour un projet de film dernièrement. On a aussi des licences de Luster, je pense qu'ils viennent avec les flingues qu'on a eues, mais qu'on n'utilise pas. Fait que je pense que c'est ça. On aurait donc, disons quatre salles de travail dans Japan Gus, en incluant la salle de cinéma et une salle de travail ici pour l'étalonnage. Puis au niveau des coloristes, il y a moi qui s'occupe principalement de la pub, il y a mon collègue Steven qui fait du comp, mais qui fait aussi de la pub, un peu comme moi je faisais quand j'étais à Détroit dans le fond. Il va faire un peu les deux. Ensuite de ça, il y a les coloristes qui s'occupent principalement, mais pas exclusivement jamais, comme une personne dans le fond, là, mais principalement de la série télé. Il y a mon collègue Étienne, mes collègues Brigitte et Marilyn. Puis il y a Amélie aussi qui va les soutenir, qui va faire beaucoup de dailies. Puis qui va les soutenir aussi dans l'étalonnage. Puis pour ce qui est principalement du long métrage, mais encore une fois, pas exclusivement, il y a mon collègue Marc et Patrice qui font aussi la série télé, qui font aussi peut-être occasionnellement un peu de pub. Fait qu'on fait tout un peu de tout, mais c'est principalement comme ça. D'accord, très bien. Et du coup, j'ai beaucoup parlé d'étalonneur, là tu viens de parler de coloriste. Ah ben ouais, Non, mais c'est vrai que. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction, on emploie les deux termes. Et alors du coup, qui décide, un, du terme qu'on utilise au générique et de votre place, enfin ta place en fait au générique? Est-ce que du coup, c'est généralement en fait, c'est lié en fait aux gens de post-production? Est-ce que toi, tu penses que par exemple, tu devrais être davantage relié à l'équipe image? C'est intéressant, j'ai un point de vue là-dessus. En fait, je trouve que dans le scrolling, on est à la toute fin ou presque. Moi, ça ne me dérange pas vraiment. Généralement, ils vont comme cintrer, c'est-à-dire qu'ils mettent, mettons, mon nom, mais ils ne mettent rien au-dessus puis rien en dessous. Comme ça, ils sont un petit peu détachés. Je me souviens plus c'est quoi tous les titres qui ont été utilisés dans les films que j'ai faits. Généralement, ça va être... Je pense qu'il y a eu coloriste, il y a eu étalonnage, il y a eu étalonneur numérique. Fait que ça va vraiment changer. Qui décide? Je ne sais pas, généralement, quand on me le demande, moi, je t'avoue que même quand on me le demande, je ne sais pas. Je pense que longtemps, j'ai dit, mais t'es coloriste, tu sais. Puis maintenant, je pense que je dis étalonneur, mais non, je pense que je dis coloriste, je ne sais pas, j'ai vraiment pas de préférence. Par contre,
Je pense que, mais ça c'est vraiment un gros combat, puis c'est pas d'ambition personnelle, mais c'est plutôt pour le métier. Je pense que dans les cartons principaux, au début du générique, où on voit, mettons, maintenant dans ces cartons-là, souvent on va voir réalisateur, ça va être en photo évidemment, scénariste, producteur, mais on voit aussi superviseur d'effets visuels, l'équipe du son, on voit le monteur, on voit directeur de post-prod. Puis maintenant, là, en cinéma, c'est rendu que les gens qui font le travail font maintenant partie d'une énorme équipe. T'sais. C'est rare que tu as une personne qui fait le travail. Puis c'est encore le cas du coloriste. Fait que je trouve que c'est d'autant plus important de souligner le rôle du coloriste. C'est d'autant plus important qu'il est le seul à faire ce travail-là sur le film. Puis peut-être que peut-être que je vois trop gros, mais je pense que le travail qu'à lui seul, que le coloriste fait à lui seul sur un film, apporte beaucoup au niveau de l'ambiance et du ton que le film va avoir. Puis je pense que ça mériterait d'être souligné dans les cartons principaux. Mais bon, ça c'est un gros combat politique, là. Encore une fois, c'est pas pour voir mon nom s'est trouvé là, mais c'est bien plus pour se trouver, mon travail se trouver là. Sinon, au générique, comme je dis, ça peut être dans le scrolling. Puis je préfère être dans l'équipe de post-production parce que ça reste quand même un travail d'équipe, l'état d'honneur. Mes collègues ne seraient pas contents de ce que je viens de dire précédemment, mais c'est dans les faits, c'est-à-dire qu'il y a un coloriste, c'est pas une équipe de coloristes, mais le coloriste, bien sûr, ne travaille pas seul. C'est-à-dire que tu as une équipe de techniciens qui vont chapeauter, une équipe précisément pour ce projet-là, il y a une équipe de techniciens de l'image aussi qui vont tout construire l'environnement de travail. Fait que, évidemment, c'est faux de dire qu'il y a une seule personne qui s'occupe, qui fait le DI, là, parce que ça fait partie d'une grosse équipe. Fait que je préfère que le coloriste fasse partie de cette équipe-là parce que c'est vraiment pas que moi seul ou que mes collègues seuls qui font le travail. C'est-à-dire qu'on est les seuls à faire le travail, mais on peut faire le travail parce qu'on est entouré de tous ces gens-là qui viennent nous épauler. Fait que je préférerais ça plutôt que d'être dans l'équipe image avec l'équipe caméra, par exemple. Fait qu'à ce moment-là, je trouve qu'il est à bonne place, mais je pense que le travail devrait être davantage souligné dans les cartons principaux, exclusivement de l'état d'honneur. Et là, du coup, c'est des questions qui recoupent en fait, des problématiques aussi qu'on trouve en fait, chez les états d'honneur en France. Et là, est en train de se monter une association en France, toute récente, là, ça va dater de quelques semaines, une association en fait, d'état d'honneur. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est quelque chose en fait, qui pourrait être envisageable en fait, au Québec, au Canada, ou qui a déjà été discuté? C'est quelque chose dont on a. C'est drôle parce que dernièrement, on a eu une espèce de petite rencontre super informelle avec les coloristes à Montréal pour jaser, juste pour se connaître plus que d'avoir des. Il n'y avait pas d'ordre du jour, tu sais. Mais le sujet de l'ordre est comme un peu venu à la blague, en fait, parce que les directeurs photo le font. Puis on ne considère pas nécessairement ça sérieusement, mais c'est pas inintéressant dans l'optique où maintenant. Avec la démocratisation des équipements, un peu tout le monde peut se dire « Ah, moi, je suis coloriste », alors que c'est pas parce que tu dis que t'es coloriste que t'es coloriste, tu sais. Fait que peut-être que ça deviendrait pertinent à ce moment-là, puis c'est pas étranger au fait qu'ils font ça en France depuis quelques temps. Peut-être que ça serait pertinent, justement, d'avoir une espèce de d'authentification, tu sais, de professionnelle, tu sais, pour au moins, juste pour préserver un peu la qualité du travail qui va être fait, parce qu'aussi, ben, c'est important de rappeler aux gens que, au-delà des considérations financières, ça fait une grosse différence, tu sais, d'avoir un vrai coloriste à signer un projet qui a le temps nécessaire à bien faire son travail, tu sais. Puis c'est sûr qu'on est dans une espèce de période où il y a de plus en plus de gens qui disent être coloristes, à tort ou à raison, c'est pas nécessairement à moi de juger qui se qualifie et qui se qualifie pas, mais il reste qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Puis c'est sûr que plus il y en a, ben il n'y a pas nécessairement plus de projets, ça fait surtout qu'ils ont moins de chances de gagner de l'expérience, donc. Fait que ça fait que tu as une expertise un peu moins pointue, mais un peu plus large, tu sais. Fait que je ne sais pas au Québec, parce que c'est un très petit marché, si ça nous prendrait une certification ou un groupe pour le territoire. Je ne sais pas si à cause de la séparation très, très hermétique, très, très étanche entre le marché québécois et le reste du marché canadien, où il y a
il n'y a pratiquement pas d'échange, là. Je ne sais pas si à ce moment-là, ça rendrait pertinent d'avoir une certification pour tout le Canada. Je ne sais pas. J'ai pas nécessairement, mon opinion n'est pas vraiment arrêtée là-dessus. Et en lien justement avec aussi le développement de ce métier, en France, on voit de plus en plus, c'est quelque chose de relativement récent, même si je n'ai pas réussi à le dater précisément, de plus en plus de coloristes indépendants ou qui montent leur micro-société avec Nous, leur on va station. appeler des travailleurs autonomes ici, des D'accord, pigistes, là. des pigistes, voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose en fait qui t'a tenté, qui te tente ou qui... Ben, comment dire, moi, je suis très content du travail que je peux faire ici. J'ai de la difficulté à y voir le gain. J'ai la chance de travailler sur, je pense, la plupart des meilleurs projets en pub, puis la plupart des meilleurs projets en film, puis j'essaie de mettre la main sur les meilleurs projets de séries télé, tu sais. Fait que j'ai de la misère à vraiment avoir un avantage à être pigiste dans l'optique où ben, maintenant j'ai accès à ces projets-là déjà. J'ai des super collègues avec qui j'adore travailler, qui m'apportent énormément de soutien dans mon travail, qui donnent énormément de réponses à des questions que je pourrais avoir, qui indirectement ou enfin même directement font en sorte que je suis meilleur dans le travail que je fais. Fait que tout ce soutien-là me manquerait énormément. Cela étant dit, c'est sûr que l'industrie s'en va plus vers ça. Fait que dans mon cas très personnel, je pense que si éventuellement je fais le saut comme pigiste, c'est davantage parce qu'on m'y contraint que parce que j'ai envie de le faire, tu sais. Simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de gain. Moi, en tout cas, j'ai de la misère à avoir un gain actuellement, là. À part peut-être de salaire, mais même là, c'est un point d'interrogation, tu sais, on ne sait pas. Moi, je suis assez content du statut que j'ai ici, au sein de l'entreprise, tu sais. Mais c'est sûr que ben, plus il y a de pigistes, ben, plus ça crée une offre de pigistes. Mais indirectement, peut-être que ça va créer aussi une demande de pigistes où les clients de plus en plus vont vouloir travailler avec des pigistes. Fait que là, ben, ce qui va arriver, c'est ce qui s'est produit avec les monteurs. C'est que là, tu as des monteurs in-house, de la même manière qu'aujourd'hui, tu as des coloristes in-house. Mais là, tes clients disent, ouais, je vais faire la colo chez vous, mais je voudrais travailler avec tel pigiste. Fait que là, tu es comme, ben, OK, mais là, ça devient un peu délicat pour les gestionnaires ici, tu sais. Fait que peut-être que si ça arrive de plus en plus, ben là, tranquillement, il y a quelqu'un qui va dire, bon, ben regardez, tout le monde sera pigiste, par exemple. C'est une hypothèse. Je sais pas s'il y a vraiment avantage à faire ça. J'ai pas la réponse, mais certainement, c'est un courant qu'on voit qui se dessine, mais c'est dû au fait que maintenant, les systèmes coûtent vraiment moins cher, tu sais. Puis les gens, ils imaginent, à tort ou à raison, j'ai pas la réponse, pouvoir créer plus d'opportunités en étant à la paix, j'imagine. Et est-ce que pour finir, est-ce qu'il y a un film ou un projet en fait qu'on n'a pas évoqué et où tu as l'impression d'avoir fait un travail en fait étalonnage un petit peu différent ou tu voudrais évoquer ou une collaboration? Ben, en fait, c'est toujours. Il y en a un qui me vient en tête. J'ai fait un film il y a peut-être 2 ans, l'été, peut-être 2 étés ou 2 printemps, je ne me souviens plus, pas ce printemps-ci, mais l'autre peut-être, qui a été très, très, très difficile. C'est un film pour les jeunes, qui s'appelle Aurélie Laflamme. Les pieds sur terre, en fait, ça s'appelle. C'est un film, enfin, je dis pour les jeunes, mais enfin, finalement, c'est un film, disons, plus familial qui s'adresse à toutes sortes de publics. Puis je pense vraiment que là, j'avais développé une espèce d'approche qui réussissait à contraindre, à fabriquer une palette de couleurs qui était vraiment intéressante. Puis c'est un film qui a été super difficile parce qu'il y avait énormément de plans et énormément de locations, tu sais. Puis souvent, c'est des films comme ça qui sont pas nécessairement évoqués ou qui sont pas vraiment remarqués, mais qui, techniquement parlant, ça a été un des films les plus durs que j'ai fait, là, ça c'est clair, au niveau de l'étalonnage, tu sais. Alors là, du coup, effectivement, pour ce film, tu apparais au générique comme lead coloriste, coloriste. Ouais, dans ce Comment ça se cas-ci, fait? c'est parce que c'est un peu. C'est parce que c'était dans une période où on était super occupé.
Moi, en tout cas, j'étais super occupé. Je pense que là, en 3 mois, j'avais comme 5 films, ce qui était un peu ridicule. Fait que j'avais proposé qu'ils me mettent comme en équipe avec un coloriste. Une coloriste, dans ce cas-là, Vicky Lynn, qui m'a donné un coup de main. Où moi, dans le fond, j'allais setter la direction des scènes, puis elle les complétait. Fait que dans le fond, c'est pour ça que pour séparer les deux rôles qu'on a eu, étant donné que moi, j'allais plus setter les directions, on a établi que le titre, ce serait plus lead coloriste, puis que Vicky Lynn, ma collègue, j'imagine que si moi j'étais lead coloriste, elle devait être coloriste, j'imagine. Fait que c'était juste pour nous séparer, parce que j'aurais pas voulu, moi, avoir coloriste, puis elle, qu'elle est, mettons, coloriste additionnel ou quelque chose, parce que c'était pas vraiment ça, parce qu'elle a vraiment fait une grosse partie du travail, tu sais. Fait que comme ça, je trouvais que ça séparait mieux, ça séparait bien les rôles, dans le fond. Et ce film aussi, il pose la question aussi du genre de la comédie. Et du coup, est-ce qu'on demande en fait des couleurs plus pétillantes? Enfin, est-ce que c'était la commande par exemple pour ce film? Ben, je ne sais pas si tu l'as vu, les couleurs sont pas nécessairement très pétillantes, très vibrantes. Il y a quelque chose de même, peut-être un peu éteint ou un peu une certaine sobriété dans les couleurs, c'est-à-dire dans la façon de faire ressortir les couleurs qui sont à l'image, pas nécessairement dans la teinte générale qui a été appliquée ou dans la palette de couleurs au niveau du look, là. C'est intéressant que tu soulèves ça parce que sur Guibord, à la toute fin du processus, on a opté pour. C'est-à-dire qu'on a fait une espèce de modification overall pour donner un petit peu plus de saturation à l'image. Puis, on a tous été à peu près d'accord pour dire que en faisant ça donnait. Il y avait quelque chose de plus drôle, tu sais. Puis, ça donnait quelque chose d'un peu plus. C'est comme si ça venait renforcer la performance d'acteur parce qu'il y avait plus de saturation et que les skin tones étaient plus vibrants. Fait qu'on a redonné, mettons, un point ou deux points de saturation, je me souviens plus, sur tout le film. Puis ça a quand même beaucoup changé la perception qu'on avait du film. Comme quoi, je veux dire, même moi, c'est ça que je fais, puis même moi, je me laisse berner par l'étalonnage. Tu sais, une étape qui est finalement qui est très vicieuse, tu sais, ça rentre dans la tête du monde, puis c'est complètement inconscient, tu sais, où on va vraiment trafiquer la perception qu'on a d'une histoire ou d'une scène ou d'une image, mais de manière ultra cachée, tu sais, c'est imperceptible bien souvent. Il y a personne qui va, à moins que ce soit très 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 extrême, il y a personne qui va rarement quelqu'un qui n'est pas dans le milieu souligner le travail ou le remarquer simplement parce que c'est très très invisible. T'sais. Et justement, cet effet de saturation qui renforce un peu le côté comédie, est-ce que ça, c'est des choses que tu as pu utiliser par exemple dans des courts-métrages comme Plus d'école ou Mémorable Moi? Mémorable Ah moi. As-tu pu le voir? On dit que c'est drôle ce film-là. T'as des connes aussi. j'ai bien Ça a été aimé. fait après, fait que j'avais pas nécessairement cette notion-là à ce moment-là. Ces deux-là, les deux que je me souviens, avaient une approche quand même assez différente aussi. Toutes des connes, en fait, la particularité, c'est que c'était tourné en 5D, puis ça les embêtait un peu, puis il y avait le goût de trouver comme un bon fil conducteur à ça, puis redonner quelque chose d'un côté un peu plus cool à ça. Fait qu'on a essayé de reproduire un peu une espèce de 16 mm. Puis on était allé vraiment comme un peu à l'extrême, vu que c'était tous des tableaux différents, puis qu'on pouvait se permettre justement d'être quelque chose d'un peu plus excentrique. Puis dans le cas de Mémorable Moi, je me souviens plus qu'est-ce qui caractérisait vraiment l'approche, mais c'était encore une fois, il y avait des couleurs qui étaient très, très, très vibrantes. Mais si ça s'est venu renforcer la comédie, dans mon cas, c'était complètement inconscient parce que je pense que j'ai été amené mémorablement avant Guibord. D'accord. Bon, bah, on peut s'arrêter là. Merci Ah. beaucoup. Ben, j'ai envie de